Bonsoir à toutes et à tous, je suis Amine Zaghi et tu regardes la Family Football Club, l'émission préférée de ton footeux préféré. Ce soir, comme d'habitude, émission complète salade, tomate, oignon, tacos, 4 viandes. On va tout envoyer ce soir, les frérots, on a un super invité. Au programme, équipe de France, Lise Deschamps, est-ce qu'elle vous a convaincu, pas convaincu Les barrages de la zone Afrique, aïe, 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 aïe. on va en parler avec quelqu'un qui est pas content depuis vendredi. Et on va terminer par un petit débat à la fin sur. L'Italie, les équipes qui n'arrivent pas à se qualifier à la malédiction des gagnants. Et on terminera évidemment par le petit quiz de la famille pour tester vos connaissances foot. Avant de commencer l'émission, on va présenter ceux qui sont autour de la table. On va commencer par celui qui, aujourd'hui, n'a pas de veste. Aujourd'hui, n'a pas mis de pento. <laughs> aujourd'hui, il est resté sobre, mais toujours sobre et efficace. Celui qui maîtrise la géométrie dans l'espace, Nasser de Rectangle TV, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Nasser, ça va Merci. Ouais, ça va, et toi, mine. Comment tu vas Moi Nasser, je, te... je tiens à te féliciter parce que je trouve que tu es, t... T es allé sur toutes les surfaces. Toujours. T'es vu jeudi en perfecto. <laughs> Lundi d'avant, je t'avais vu en veste. Là, je te vois en petit gilet. Bah, ça va, Nasser Et toi Écoute, super. Je suis super content. Franchement, on va faire une bonne émission. Notre invité va être bien là. Je le sens. Il est, Il est prêt. Donc, franchement, une bonne émission et je suis très content de la faire avec vous encore une fois. Et c'est pas bah, Super, mon Nasser Celui que je vais annoncer maintenant, c'est mon frère de cœur. C'est celui qui. Ah donc qui... moi. Euh... Bah toi, d'un certain avis, je te dis, toi, c'est pas la même chose. Ça Mon frère de cœur, qui voilà, que j'avais bloqué depuis vendredi soir. <laughs> on s'était promis de se débloquer mardi à 23h. Mais malheureusement, on devait faire une émission, donc on devait se débloquer. Celui qui, pour une fois, n'a pas de veste, mais qui a toujours les contours carrés. Monsieur Wesley, s'il vous plaît, avec nous. Ah là 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 là, là, là. Westley, depuis vendredi, c'est l'humeur n'est pas au beau fixe. Hein. Mais bon, non, 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 ça va nickel. Il reste un match retour. C'est ouais, non, ce n'est que du football. Ça va nickel. Je suis prêt. On va passer un super moment. On a un invité que j'apprécie énormément. Et euh, voilà, on a passé un bon moment jeudi, donc je suis super content et merci et, pour la et force. Justement, Wesley, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'événement qui s'est passé jeudi, qui a été une grande réussite Bah ouais, on a on a réuni euh, on a réuni pas mal de, de monde autour des, des métiers du football. Donc euh, le, le, la première chose c'était de parler de la reconversion professionnelle des, euh, des footballeurs Donc avec Nico Duchesne, Seb Bassong et Florian Delestrin de, du FC Lorient Qu'on embrasse d'ailleurs qui, ouais, qui, qui vraiment a été, a été bluffant Et euh, voilà je tenais à remercier tous les gens qui, qui sont venus Parce que j'ai que, que des bons retours Exactement. Et, euh, et franchement ça, ça inspire pour la suite, tu vois, tu connais le cerveau, il va, ah oui il va à 10 000. Va, on, est oui. déjà, on est déjà sur la suite. Donc voilà, très très rapidement, vraiment, je remercie tous ceux qui sont venus. Et mention spéciale, comme j'ai mis dans tous les statuts, à notre host. Monsieur Amin Zaghi, qui a, qu a voilà, de rendre à... Tu as été au top et tu as mis la chemise, frérot. Tout s'explique. Frérot, pour toi, je suis de mettre une chemise. vu, <laughs> d'habitude, j'en mets jamais. Mais là, ce soir-là, j'avais la pression du coach. Donc, j'ai <laughs> Voilà, pour vous donner un peu les coulisses de, de cet événement. En tout cas, on embrasse aussi Michael Siani, Amixiani, Siani, qui nous ont accueillis au Code 45. Et évidemment, dounia Abdella pour le magnifique buffet. C'est ça même. Maintenant, il est temps de parler de celui qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Il a joué un peu partout. Il de France. Guignon. Il <laughs> était chez les Corses. Celui pour qui la présence ce soir est priceless. <laughs> Monsieur Jolivoire, Price s'il vous plaît. Un grand merci de m'avoir convié en tout cas. Price, tu vas je... bien Ouais, ça va très bien toi, Mine. Bah écoute, ouais. en tout cas, ça fait franchement, tu as vu jeudi à l'événement et ça fait super plaisir de te revoir aujourd'hui à l'émission. Bah apparemment, franchement, euh, je me rendrai toujours disponible en tout cas pour pour vous demander, c'est un grand plaisir. Bah, ça, je vous suis dès que je peux parce que bon, je suis beaucoup sur les terrains. Mais euh, ouais, dès, que je suis, dès que je suis disponible à chaque fois, bah, je, regarde, euh, je regarde ce que je peux et c'est avec grand plaisir à chaque fois. Bah justement, Price, puisque tu nous parles un peu que tu es toujours occupé, c'est tu sais quoi un peu ton actuel en ce moment Alors, bon, je, suis, je travaille dans le transport euh, en, le matin. Ok. Euh, parce que voilà, on parle de reconversion. Exactement, mais euh, on est dans le thème. Hein <laughs> il voilà, y, y a différents degrés <laughs> de footballeur et il y en a qui n'ont pas besoin de travailler et d'autres qui ont besoin de travailler en fin de carrière. Donc je suis dans le transport chez TransDev. Je leur fais pas de pub, hein, mais bon, je suis chez eux. <laughs> euh, essentiellement le matin, comme ça, ça me rend disponible les, les après-midi et soir au moins pour, pour pour ma passion, pour le football. Et, euh, et je suis coach coach seulement cette année. Okay. Euh, j'ai tous les à côté, j'ai laissé euh, cette saison poursuivre un petit peu plus euh, mes enfants. C'est important. Euh, ouais, important et je, je l'avais un peu délaissé et c'est important. Et ça, il ouais, faut, faut revenir un petit peu aux sources. Ça fait du bien exactement. Euh, donc je suis que coach, coach R3, R3 en, en senior à Val-de-France, okay. euh, euh, dans la commune de Montèvre, hein, dans le 77, proche d'Euro-Disney. OK, voilà. et ben encore un connard d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Pride Comme je vous ai annoncé le programme au début, on va commencer par l'équipe de France et puis après, on va dérouler sur les barrages afrique. Mais avant, évidemment, de rentrer dans le vif du sujet, vous me connaissez. On va commencer par les dingueries qui se sont passées toute cette semaine, les dingueries de la semaine. Numéro 1, justement, je ne vais pas faire mal au cœur à Wesley, mais c'est vrai que ses amis camerounais, comme on dit à Marseille, ils avaient <laughs> un peu la bocaux. Ils avaient la bocaux, les camerounais, un peu. Ils étaient là, il y avait Vincent Abouakar qui avait dit que l'Algérie n'avait jamais gagné au Cameroun et qu'elle n'allait pas gagner ce jour-là. On a vu les journalistes camerounais nous dire qu'on n'avait aucune chance. Il y avait juste là, jusque, jusque là, il y avait Jamel Belmadi qui était un peu comme Mounir de Validé, très nerveux. <laughs> mais là, vous allez voir la conférence de presse qu'il y a eu avant le match avec Riyad Mahrez et les journalistes camerounais. Belmadi était plus étendu. Je ne sais pas si c'est son anniversaire ou quoi. Flo, s'il te plaît, numéro 5 d'un de la semaine, la conférence de presse. Un latéral qui, chez nous, a la réputation de euh, pas mettre fin, mais d'éteindre les attaquants en face de lui. <laughs> voilà. Donc, apparemment, ce défenseur euh, camerounais. Euh, no tolo. Allez, éteindre euh, Riyad Mahrez. vous de lui, Riyad Il joue à Seattle Effectivement. Il... Or, Et vous, vous allez autre entendre autre la vie petite vie. réponse non, de, J... de Lamadie. Ah oh, comme il a dit le coach, euh, il joue à Seattle. Je crois qu'il avait un petit souci musculaire dernièrement. Euh. <laughs> il est bon, il est bon. Mais ça a été très fraternel. Ça a tout. été très fraternel, mais ils ont essayé un peu de nous mettre dans des petits bourbiers. On a vu un peu Molaise, a... t'as vu euh, West. T'as vu, là, vous avez... le parcours était un peu clairsemé, tu vois, on voilà, a parsemé d'embûches. Voilà, Mais Jamel Belmadi et Rian ont réussi à se sortir. Attention, il y a un match-retour. Il y a un match-retour, il ne faut pas s'enflammer. L'équipe d'Algérie, après 10 minutes très compliquées, a réussi un peu de sortir de, de ce guépier de Japoma, parce qu'il y avait beaucoup le la... Japoma, 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 <laughs> Japoma gang. Gang. Voilà. <laughs> Mais là, attention, les je préviens mes frères algériens, il y a un match-retour. Il va falloir le gagner, ça va être la guerre encore pendant minimum 90 minutes. Donc en tout cas, voilà. Et ce match-là, justement, on va en parler. C'est numéro 4 des dingueries de la semaine. Flo, si tu peux m'envoyer là, ce qui s'est wow. passé. Ouais, là, c'est incroyable. Depuis donc hier, je ne sais pas si vous voyez, donc les, les autorités algériennes ont mis en vente les billets pour… <laughs> Sachant que Blida alors, il y a à peu près 25 000 personnes. Je peux vous le dire direct qu'il y en 40 000. Je vous le dis dès maintenant. Dans les salles algériens en général, tu doubles le. Ah ouais. ouais, ouais, est ouais. Long, je peux te dire ouais. qu'il y a. Ça, social, non, y aura... non, de sociale. <laughs> et ce que je peux te garantir aussi C'est qu'ils ont, ils ont dû et prioriser les ventes des billets aux mecs les plus déglingués, qui ont les têtes les plus cramées. C'est eux qui seront dans le stade. Et je te dis voilà, quand tu regardes un peu ça, et pour dire pourquoi je te dis ça C'est que déjà regarde, sur le billet, si regarde sur l'image. Le, le, le match est à 20h30. Et 13h. Les portes sont ouvertes à 13h. À 13h. <laughs> Même quand ça tu prends l'avion, tu vas en Nouvelle-Calédonie, <laughs> c'est pas ça. Et quand je te dis, et quand je vous dis qu'il y aura que des ouf sur ce match-là, vidéo s'il te plaît, Flo, regarde les mecs qui sont prêts à faire pour, pour avoir leur billet. Regarde, lance la vidéo. Non. Et moi, le mec, ce qu'il fait. <laughs> et moi, ce qu'il <laughs> fait. <rire> <Voilà>. <rire> juste <rire> juste <rire> <oublié> les gens. <laughs> Allez, non, c'est la dernière. les gars. Fou, ah, ouais. ah, il est trop non, chaud. Voilà, je chaud. vous ai prévenu, je non. vous ai dit. Bon, les gars, quand même, il a des bras de ouf quand même. Il ah, ouais. est gêné, ouais. c'est un Il est, pas, est un <laughs> les de ouf. Mais pour vous dire, je vous ai dit, il y avait que des. Eh, le match, l'ambiance va être incroyable. Donc, je compte sur les Algériens pour les remporter ce match. Sinon, ça va être compliqué pour ressortir du stade. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on restera des frérots avec nos frères Camerounais. S'ils gagnent, on sera dégoûtés de fou. Mais ça restera nos frérots, quoi qu'il arrive. N'oubliez pas que c'est que du football. Et arrêtez vos histoires. Sur les réseaux, euh, l'Afrique, pas l'Afrique, à chaque fois on donne une mauvaise image, c'est que du foot et faut juste se dire qu'à partir du moment où il voilà, n'y aura pas de dinguerie de part et d'autre, ça reste du football. Voilà les amis. Mais et là, ouais. normalement, le football c'est que de l'amour. Tu vois, on dit c'est que de l'amour normalement. Il y a un gars, lui, il a voulu emmener sa copine dans un stade et peut-être que là il s'est dit mauvaise idée. Numéro 3 est dinguerie de la semaine, s'il vous plaît, regardez la petite vidéo, il a emmené sa meuf dans un stade. Elle lui, elle lui parle, de, à mon avis, de plein de choses, sauf du foot, il est dégoûté. Regardez sa tête. Elle ah, va plus larmer. Elle est en train de lui raconter sa liste de courses, je sais pas ce qu'elle lui raconte, ou ses histoires de taf. Il s'en bat, ah les steaks. Ouais. Elle est bon. bah, il... David, il, il est grave, bon. Ah bah, T'as vu, il est là, il est <laughs> tu vois, en mode Franchement, je suis... Quand elle est grave, d'accord. Le pauvre, il ah com... ouais, genre, ah ouais, elle a dit ça, ah ouais. Il oh ouais. Il communique avec elle qu'avec ah, les yeux, le pauvre. Ouais. Donc, ah grosse non. dédicace à lui. Frérot, oh. fallait faire. Écoute, ah bah, tu l'as amené à oh. assume, frère. Souris un peu. C'est pas grave. Non, mais là, c'est sûr qu'il a pas vu le match. Et là, <rire> <rire> numéro 2 de dinguerie de la semaine. Il y en a un qui a fait. Tu vois, on s'est tous dit que si, hein, le jour où on se marie, on rentre sur notre mariage sur la musique de la Ligue des Champions. Il y en a un, il a fait pire que ça. J'ai pas compris le concept. Mais vu que c'est un rebeu, je me dis avec nous, tout est possible. Numéro 2 est dinguerie de la semaine. Le plus gros bluffeur que j'ai vu de ma vie. Flo, envoie-moi la vidéo. Numéro 2 de la semaine, dinguerie de la semaine. Le son mariage. Ouais. Oh Oh <laughs> Par contre, je sais pas si vous voyez un peu oh quand il parce qu'il fait aucun geste technique. <laughs> Donc, je sais pas s'il si a sur la dot pareil aussi, <laughs> sur le montant de la dot. Mais en tout cas, euh, voilà. Donc, j'ai pas compris le concept. Oh, ton mariage. Heureusement qu'il glisse pas sur le ballon. Euh, hein. <laughs> mais surtout qu'il ne fait ni un tour du monde, ni des jungles, ni rien du tout. Ah non, il a été dans le soft là, parce que si le pantalon se craque, <laughs> euh, je peux <laughs> te dire que c'est compliqué. Hein. Mais comment tu Comment tu es ont vraiment dans des et et potes, ils peuvent te laisser. Enfin, à quel moment tu disais, ah, tu sais quoi avant, avant la faut première danse. Il faut m'expliquer pourquoi. Moi, tu sais ce qu'il faut qu'il me. Et comment proche, proches ont accepté Tu sais ce qu'il faut m'expliquer C'est genre la meuf qui fait Ouh ouais, genre. Là, là, là. Alors voilà, tu sais que c'est claqué T'as vu que tu fais genre Elle doit jouer, elle doit jouer, sa meuf Elle doit jouer Elle doit jouer Ah là 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 Donc voilà pour les dingueries ouais, de la semaine ouais. jusqu'au ouais, numéro 2. Numéro 1, j'aime bien toujours ouais, terminer par l'invité. Mais l'invité, il est discret sur les réseaux sociaux. C'est un gars qui, voilà, qui n'a pas, pas Instagram, qui n'a pas Twitter. Mais vous allez voir que quoi qu'il arrive, c'est un mec toujours discret, toujours cool, toujours stylé. C'est le pote de Wes, numéro 1 <laughs> et gris la semaine, s'il vous plaît. Non, t'es chaud. <laughs> ah non, non. <laughs> Ah bon. regardez on l'a eu! Ça. On l'a eu aussi! Euh... On l'a eu! Je m'a pas facilité la tâche. J'ai dû chercher. Mais j'étais obligé de me dire: attends, regardez-moi cet acteur! Regardez ça! Petite ah lunette! Petite veste! Ah ouais. Franchement, physique de Netflix, les gars! Là, on, a, la on la a eu. ouais, ouais, ouais la Avec l'eau du corps, c'est pour ça on a coupé. <laughs> en ah, tout cas, était... Ouais. Monsieur Price, était le numéro 1 est gris de la semaine. Applaudissements pour lui. On va rentrer dans le vif du sujet, mesdames ah, T'as vu Price, on <laughs> dans le bar. Hein. <laughs> ah là là. Donc là, on va parler directement, on va commencer par l'équipe de France. L'équipe de France qui est déjà qualifiée pour le mondial. Il y a eu donc le match contre la Côte d'Ivoire. Et avant ça, donc évidemment, Didier Deschamps a donné sa liste. Et justement, j'aimerais d'abord qu'on s'exprime. Toi, Wesley, je ne sais pas si Flo, tu peux nous mettre la liste de Didier Deschamps. Avant de parler du contenu du match, j'aimerais que tu me dises, Wes, quand tu as vu la liste de Didier Deschamps, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que c'était une liste cohérente ou alors, ce que tu aurais enlevé des gars, tu aurais mis des gars Qu'est-ce qu'on a pensé de prime abord Là, on voit la liste euh, bah après, qui s'affiche. Euh, je pense que DJ Deschamps, il nous a habitués à, à quelque chose, c'est qu'il y a rarement euh, de nombreuses surprises. Et euh, DJ Deschamps, depuis le départ, il met en avant la, la notion de, de groupe. Et du coup, quand il y a une liste, euh, DJ Deschamps, tu t'attends à 19, voire... 20 de la liste précédente et peut-être 2-3 méritants du, du moment. Je pense que euh, tout le monde attendait euh, une ouais. Tu vois, c'était un ouais. peu il y a eu comme un voilà, il y a eu un, un, une manifestation pro pro une concours, bon, bon, Il devrait mais, il euh... débuter euh, <coughs> mercredi contre l'Afrique du Sud. Ouais. Non, je pense que c'est Mais il est dans la liste. Hein. La liste elle est la liste elle est cohérente. Après moi, tu sais, je vais je vais je vais mettre un petit euh... je vais pas mettre un bémol sur clause, mais j'ai envie qu'il. telle euphorie, c'est bien. Mais j'ai peur qu'il se fasse bouffer par mais, ça, en fait. Mais justement, moi, je ne vais... sais pas si vous, êtes... vous avez pensé ouais. comme moi. J'aimerais vous savoir un peu quand... quand on a annoncé son nom, quand ouais. il y a eu la liste, ouais. euh, ce qui s'est passé avec le club, euh, même ouais. lui après, avec ouais. les supporters. J'étais un peu gêné. Pour vous dire la vérité, je trouve que c'était un peu comme euh, quand il y a eu la sélection de Steve Savidan. Ouais. Est-ce que c'est. Est, euh, vu quand même que c'est un joueur de foot pro, qui est légitime, puisqu'il a été appelé. Est-ce que c'est pas genre un peu comme si euh, c'était un peu une, une kermesse et qu'il n'était pas légitime d'être là Moi j'étais un peu gêné par cette célébration euh, pour annoncer euh, sa présence. Nasser, en penses quoi non, moi je pense pas du tout. Franchement, j'étais pas du tout gêné, j'étais même touché pour, parce que c'est quand même une consécration pour un joueur à, à son âge. Et je pense que ça fait du bien aussi de voir des footballeurs euh, montrer leurs émotions et être des hommes parce que dans cette société, on a souvent l'habitude de, de l'oublier. Et au contraire, quand on regarde aussi, je pense personnellement que Didier Deschamps, il a vraiment mis cette base de trois défenseurs centraux mm -hmm. et on le voit sur sa, sur sa, sur sa liste. Et Jonathan Close. Je persiste que c'est un des rares qui pourra rejouer en piston droit mmh. parce que je ne pense pas que Coman pourra le faire pendant une saison, euh, une, Mais là, une ça, grosse je pense compétition. Je pas été précis dans ma question. Encore une fois, ce n'est pas sur la légitimité de Clause, mm -hmm. sur sa sélection, parce que le taf qu'il fait depuis le début de saison, ah, je pense que personne ne va te dire que pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit au moins d'être testé en équipe de France. Moi, je parle surtout dans comment est-ce qu'il a communiqué et comment est-ce que même tout le monde a communiqué à partir de ça. C'est comme si, tu vois, on donnait une récompense à un joueur, euh, euh, tu vois, genre... <coughs> on n'en a pas un peu trop fait là-dessus. Non, parce qu'on en a beaucoup demandé. Ça, ça, pendant quelques mois, euh, on a tous trouvé qu'il était méritant. Euh, ça a fait plaisir à pas mal de monde qu'il y soit, parce qu'aussi du bois avait beaucoup de pépins physiques, on n'avait pas de latéral, euh, on n'avait pas de piston, piston droit. Et non, encore une fois, je, je peux te dire que les, euh, on a eu la chance d'avoir l'inside parce que c'est un joueur qui vient d'être sélectionné, c'était sa première sélection à 29 ans. Et encore une fois, je te dis non, pour moi, ce n'est pas une mise en scène, c'est quelque chose de. Pas une mise de, en vrai. scène, hein. je, le gars, tu le sens sincère. Je comprends, je comprends. Ouais, ouais toi, t'en penses quoi par rapport à non, la communication, moi, en fait, comment la non, son, non, je trouve, en sélection lui, je, lui je, je, pour moi, sais, vu le parcours qu'il a. Tu vois, il a joué à Kevy, Enfin, euh, il, il vient d'en dessous. Au-delà de Klaus, le, le, le symbole, il est très fort. Et ça, ça m'a plu. Tu vois. Après, pour, pour poursuivre sur ce que je disais, moi, j'ai ma seule crainte, c'est que lui, à titre émotionnel, qui euh, qu là, euh, là, là t'es appelé, t'es dedans. Mais j'ai peur qu'il qu sur euh, comment dirais-je, qu'il soit dans la surenchère. Et que du coup, alors attention, sur le match, si tu regardes bien, il rentre, tu vois la qualité de passe parce oui. que c'est lui qui amène le corner. Oui, sur, sur le, la, sur sur le deuxième belle, passe, but. Hein. Voilà, tu ouais. sens que la ouais. passe. Tu, et, et vraiment, j parce que vraiment, si tu parles sportivement parlant, au niveau de ses qualités, il peut apporter quelque chose à l'équipe d'EF. Mais j'ai peur, voilà, j'ai peur que, tu sais, il y a beaucoup de joueurs, ils ont été appelés une fois et après, ils n'ont pas géré. Et j'ai peur que, tu vois, autour de lui, qu'on qu qu s'enflamme, qu'on s'enflamme, qu'on s'enflamme et que derrière, euh, il n'assume ne, il ne, pas le statut parce que pour moi, quand tu arrives en équipe de France, Didier Deschamps, il, il est pas là pour faire des cadeaux. Il, ah, est, fait, il est pas là pour faire du social. Ah, ça ça. veut dire que c'est un besoin, un poste important. Donc il l'a appelé parce qu'il pense qu'il peut répondre à ce besoin. Maintenant, si le joueur, c'est avec tout ce qu'il entoure, il est dans la surenchère, c'est parce que le train il passe une fois. Hein. La Coupe du Monde, c'est pas dans 10 ans. Le train ne passera qu'une fois, donc j'espère sincèrement qu'il, voilà, il y a eu l'euphorie, etc., Qu'il va se recentrer sur ce qui va se passer sur le terrain et qui va montrer ce qu'il montre avec leur séance depuis le début de la saison. Est-ce tu en penses quoi Déjà sur le un sur sa sélection et deux sur comment lui va devoir gérer l'événement. Sur ta première question, moi, je suis un peu de la vie de Nasser. Ça fait du bien aussi de voir humainement qu'un footballeur, et bah, il, il a des émotions. Parce mmh. On est formaté à atalante c'est il faut qu'il endosse tout en fait. Tu vois mmh. et, euh, et ça fait du bien de, de, de laisser paraître ces choses-là. Après, je ne pense pas que ce soit voulu ou fait, fait exprès. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit lui qui est mis la vidéo aussi. C'est au sein du le club, club où ils ont sûr. voulu euh, voilà, et, euh, montrer un peu à tout le monde comment ça s'est passé. Moi, moi j'ai bien, ai bien aimé moi, avoir euh, tout un club en entier derrière yes. son derrière sa sélection. parce qu'on enfin, Tout le monde l'attendait. C'est vrai, comme, comme tu as dit... Euh, euh, on parle de lui depuis des mois, enfin il est performant avec le euh, qui fait des, enfin voilà, qui font une, enfin, une super saison, bien sûr qu'il fait une super saison et aujourd'hui bah, il, est, il est légitime, il est légitime d'être euh, convoqué, convoqué et moi j'ai bien, ai bien aimé ce, okay. de, de voir ça, tu vois, justement j'aimerais en voir plus, de, même d'autres en fait T'as apprécié l'authenticité ouais, en fait, c'est ça C'est ça, c'est ça, ça. Okay. ça, parce qu'on est des êtres humains et bien on sûr. aime voir ces émotions, tu vois, et justement ça, en tant que supporter parce qu'aujourd'hui, on est supporter hein, de l'équipe de France. Ça, 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 ça te prend au cœur. Donc, tu as chaud au cœur. Et, et, et tu veux justement, euh, bah, tu vas pousser derrière ton écran, tu vas le pousser un mec comme ça quand tu vois ces choses-là. Maintenant, effectivement, il euh, y a ce côté aussi où, où il va avoir une pression sur le dos. Et là, bah, il ne peut pas louper le... Ça, là, mais... là, il est montré dans Parce le dans wagon, Maintenant, il ne je... faut pas que ça se décroche. Quoi. Ça ça, ça, moi, je pense qu'il a les qualités. Perso, je pense, pas... pense qu'il a les qualités. Je pense qu'on a un groupe, malgré tout, autour qui est... T'as quand même certains cadres qui vont aussi être là pour l'épauler les Pour l'aider un peu, pour, pour le guider. Et... Ouais, ouais, ouais bien bah, sûr, sûr. Varane aussi. Sûr. Sûr. Sur 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 la Varane, c'est si en ouais. soi. Ouais. à Lens, ouais. ouais, puis bon, il y a quand même d'autres noms. Il euh, y a quand même des mecs qui vont, qui vont être là à l'épauler. Et, et, et je pense qu'il y, y a vraiment de quoi faire. Et même sur la gestion de l'événement, parce que je l'ai vu même en conférence de presse avec Nkunku. Le Ouais, le pauvre, ça m'a fait un peu de peine parce il était. Enfin, Nkunku a mieux géré que. mais C'est. Non, non, bah alors ça n'a rien à voir, il, est, lui il n'est pas payé pour su, 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 communiquer. Ouais, exactement, sur, sur le terrain tu oublies tout ça, hein. Sur le ah, terrain, tu es ça là pour jouer dire. au football, après que... Sinon mm. on peut reparler de, de, de votre personne, d'autres joueurs qui ont qu on du mal à s'exprimer, ouais. hein. je ne vais pas citer si des noms, et, hein. mais... il y en a, euh, plan, y en a eu. Ouais, bien, sûr, hein. bien sûr, mais ils ne sont mais pas là pour rien. ça de base, tu vois. Okay. Ils ne sont pas là pour ça de base, donc non, moi je pense que sur le terrain il peut vraiment apporter une plus-value à l'équipe de France dans son couloir là en tant que piston droit. Je pense que... Bah, quand ouais, on regarde la liste, Nasser, je vais te redonner la parole. Quand on regarde la liste, on se dit que pour, pour moi, je, veux savoir, je voudrais avoir votre avis, on peut dire quand même, c'est quand même lui qui a quand même, on va dire, un boulevard ah, là-dessus de pouvoir voilà. s'imposer. Voilà. À, à son poste, parce qu'à son poste, personne ne ouais. s'est imposé. Ouais. Et il a, lui, par rapport à ce qu'il a fait depuis le début de saison l'occasion justement de s'engrouffer dans la brèche. Mm -hmm. Nasser, mm -hmm. voilà, tu, tu penses qu'il va pouvoir justement attraper le train comme dit Wes et, et pouvoir justement euh, être au Mondial 2022 C'est exactement ça. Parce que du coup, Steve Savidan, tu avais quand même pas mal d'attaquants. À ce moment-là, tu avais des gros, des gros noms et tout. Aujourd'hui, à son poste, on n'a pas un million. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est que forcément, pour un joueur comme, euh, que je, comme Jonathan Klaus, qui, qui est sélectionné tardivement, il va avoir le, le poids. Mais le poids, il va durer, euh, allez, peut-être un ou deux rassemblements. T'as beaucoup... Et justement, t'as un coach qui, lui, la geste, ses, ses notions de, de groupe et vivre ensemble, c'est important pour lui. Donc je pense que même les joueurs même qui sont là, ça va faciliter. Jonathan Close au début, il va avoir les yeux ouverts. Mais à partir du moment où... C'est un professionnel. À partir du moment où ça va se lancer, ça, ça est. y est, il, a, il ouais. va oublier qu'il est à côté de un tel ou un tel ou un tel. Après, ça, après, ça reste du football. Et c'est pour ça que je te dis que, justement, pour finir pour ta question, que oui, vu le joueur et les profils qu'on qu n'a pas à ce poste-là, il ne peut que être entre guillemets, en, en, en position favorable, tu vois. Parce que si aujourd'hui, tu veux l'enlever, tu vas ramener qui C'est ça que non, je dis. Aujourd'hui, si tu veux l'enlever, ouais. tu vas ramener qui et, et, et pour poursuivre sur ce que tu dis, on sait à quel point Deschamps, il a cette notion d'équilibre. Ouais. Il a cette notion d'équilibre. On a essayé Pavard. L'apport offensif, il était, euh, il était à revoir. Tu as essayé euh, Kinsley Coman. Euh, offensivement, ouais, mais t'as vu quand tu vrai. joues piston, faut faire les efforts défensifs. Voilà, bien et sûr. Trop... Et, et ce combiné-là, je pense que Klose, il est en pole position. Okay. Tu vois sur ce combiné. Okay. Et après pour aller encore plus loin sur l'analyse de la, de voilà, la liste, que parce que là sur... il y a Benzé, voilà, mmh. voilà là, là on voit Benzé. Voilà, de manière plus large et, et, sur la liste. Okay. Est-ce que vous auriez <coughs> enlevé des certaines, -ce que vous trouvez que certaines personnes, est-ce que vous en auriez enlevé, rajouté, qui, qui, qui... vous auriez modifié quoi Regarde pour continuer, Amine moi ce que j'aime beaucoup c'est euh... L'espèce de, de transition qui se fait doucement au niveau des milieux de terrain. Aujourd'hui, la France a, a quand même une chance de jouir de, 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 individuellement de, de, de très bons milieux confirmés. Et oui. derrière, tu as Gendouzi, ça pousse. Tu vois, Méni, je pense qu'on va en parler. On va en parler, ah, oui. Ouais. Ça pousse aussi. Et j'ai l'impression que dans, dans ce qui est fait, il y a le présent, mais doucement aussi, on prépare, prépare le, prépare prépare le futur. Tu vois, et ça, c'est super intéressant. Et devant le retour de, euh, de Giroud, tu sais, euh, on aime, on n'aime pas. Tu as vu le débat, il existe. On aime, on n'aime pas le style de Giroud. Mais on doit quand même respecter ce qu'il fait. Alors, ouais, ouais c'est une question que je vais vous poser d'ordre général. Parce que encore une fois, moi, je n'ai jamais été fan de Giroud, mais c'est pas le ouais. sujet du soir. Moi, ce pas sur Giroud lui-même, en fait. Je suis plus dans le débat de Giroud, est-ce qu'on doit le prendre ou pas, ses qualités, buteur, est-ce qu'un attaquant doit marquer ou pas. C'est pas du tout ça, mon débat. Moi, ce qui m'a étonné, c'est les déclarations de Deschamps depuis, bah, depuis la fin de l'Euro, mm. qui a dit qu'en gros, ça ne servait plus à rien de l'appeler. Que le train, était, en gros, qu'il avait fait ce qu'il avait à faire pour l'équipe de France, qu'aujourd'hui, vu la concurrence qu'il y avait, bah, on, lui, on lui disait Oui, mais regardez, il marque à Milan, etc. Et des gens disaient ouais mais quoi qu'il arrive, euh, OK, il fait ça, mais c'est le passé. J'ai vraiment pas compris pourquoi est-ce qu'il a rappelé aujourd'hui Olivier Giroud. Alors, est-ce est que vous pensez vraiment que par rapport à cette sélection-là, bon, il a marqué son but, je crois, crois qu'il a 47, ouais. si j'ai pas de bêtises, il a euh, quelques buts de. Est-ce euh, que vous pensez euh, que c'est une disquette On a eu le même discours pendant des années sur Benzema, et aujourd'hui, il est là tu vois fin, on a eu des discours sur Benzema en disant c'est euh, par rapport au, voilà par les histoires on peut refaire les histoires mais on l'appellerait plus en équipe de France machin du chouette et puis aujourd'hui bah le mec il a fait il a fait des, il a fait des saisons merveilleuses on est obligé de le rappeler moi je pense que par rapport à la saison qu'il fait aujourd'hui euh, euh, Giroud, c'est c'est purement crédible de le rappeler quand Benzema se blesse. Euh, voilà, tu prends un close parce qu'il fait une grosse saison, tu prends un coucou parce qu'il fait une grosse saison. Giroud aujourd'hui il fait une énorme mais, saison. Ouais, mais après, après d'accord avec toi. Moi encore une fois, c'est pas du tout sur sur sa légitimité parce que encore une fois, il fait une très belle saison. Moi oui, je même plus rapport dans... au dire Voilà, par rapport au dire de Deschamps, parce que là encore après le match, il dit quoi Quand on lui dit Ah bah Giroud a marqué, donc il a, il a dit ouais, mais il a marqué c'est bien, mais en gros ça change rien dans ma tête. Moi c'est juste le discours que j'arrive pas. à... Là où... Tu, 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 là Excuse-moi, après, excuse après je vais ouais. te couper par rapport à ça. Là où moi je suis un petit peu d'accord avec toi, ça va être où Ça va être dans la hiérarchie des attaquants. à partir du moment où tu... Et donc dis... pour toi tu où penses que Giroud va aller au mondial quand même c'est là où je vais m'expliquer, c'est qu'à partir du moment où tu dis je ne prends plus Giroud et que as par exemple un mec comme Benedict qui est numéro 2, alors si tu si, tu, si tu prends plus Giroud, c'est que tu t'estimes que Benedict ben est numéro ben donc... titulaire C'est ça. C'est là, c est c est là où moi je me dis bah si tu fais si revenir tu Giroud, Benedict doit être numéro 1 à la place de Giroud. Mais lui c'est contredit et ou même l'a expliqué un petit peu en conférence de presse en disant que Giroud c'est un joueur qui lui dans son ego entre guillemets mm. avec ce qu'il a apporté en équipe de France se trouve légitime, je ne sais pas si c'est les bons mots, mais se trouve légitime pour être euh, euh, titulaire, et il est légitime avec les chiffres. Donc aujourd'hui, quand il revient, c'est un petit peu normal de le mettre euh, entre entre guillemets titulaire, titulaire, mmh. tu vois. Mais encore une fois, je te pose la question, c'est que si demain euh, tu Benedett, pour moi, il, il est en vacances. C'est dommage, j'aime beaucoup euh, Wissam. Mmh. Mais si tu prends pas Wissam et tu ramènes Giroud, tu ne peux pas le mettre sur le banc alors. Après, ça, après, ça, un problème. ça, moi, ça, je te rejoins parfaitement. La gestion là-dessus, elle est, elle, est, elle est pas normale. Voilà, elle après, est pas normal, les gars, l'équipe le, 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 DEF, euh, Deschamps, il est dans. Il y a le côté sportif, mais il y a la politique, entre guillemets. Ce qu'on va appeler de la politique. Mm -hmm. D'accord Tu sais qu'un mec comme Ben Yeder, au vu de son parcours, lui en équipe de France, peu importe le statut qu'il a, il, reste. il va pas pourrir le groupe. Tu vois ce que je veux dire ça. En tout cas, c'est ce qui dégage. Non, mais dans ce cas-là, c'est -ce pourquoi ils ne me sélectionnent pas non, moi alors Ils ne me sélectionnent pas moi, je te jure, vais, je vais être super <laughs> content ouais, ouais, non, voilà. non, là, Je vais leur faire des blagues, je vais leur faire des dingueries Toute la compétition, ils vont être au max, mon gars il il Les moments, ils vont être chanmés, les soirées, elles vont être de la bombe Ma parole Parce que c'est juste ça, Wissam, tu vois, si c'est juste pour un mec qui ne prend pas la tête… C'est un Suisse, Wissam, il est en mode Suisse. Après, je pense sincèrement que, regarde, Olivier Giroud, par rapport à ce qu'il fait, en club actuellement, t'as la blessure de Benzema. Parce que le malaise, vous, c'est des champs qu'il a créé mec c'est pas le mec que t'appelles plus. Bon, il a créé va... aussi lui oui, à l'Euro avec oui, les petites avec polémiques le... avec mais... ouais. Ce que je veux dire, c'est que Gigou, tu l'appelles pas, il va pas te faire des sorties médiatiques où il va te flinguer. C'est un mec quand même. Mais il qui... a quand même fait. Il a quand... Enfin, je suis d'accord avec toi, Wes, mais il a mm. quand même fait 2-3 sorties médiatiques depuis le fait qu'il était plus appelé. Ou ouais. justement, où il disait, je comprends pas, mais parce, parce qu'en gros. Qu eu... Non, mais généralement, un joueur comme ça, qui a, autant, euh, qui a, autant, euh, qui a eu une aussi grande importance, que ce soit dans les stats ou inside, dans le groupe, généralement, il y a des conversations. En off, oui, tu vois, généralement le sélectionneur qui discute un peu avec toi et que tu pars sur un autre projet. Patati patata. Et là, ce qu'on, ce qu'on, je pense, comprenait de l'extérieur, c'est qu'il n'y a pas forcément eu cet échange là. Et c'est comme si j'ai il s'attendait à être sélectionné et d'un coup, tu es plus sélectionné, donc forcément, il y a une réaction, tu vois, okay. qui, à mon sens, en tant que, que joueur qui a quand même contribué d'une manière ou d'une autre. Qui, est, qui à mon sens est légitime. Donc pour toi c'est la fin de la bromance entre euh, la et... Oui, et, et Giroud euh, que, euh, non, Oui, je, je pense, pense que oui, je pense qu'on est sur Après ce qui est difficile quand t'as des joueurs qui ont marqué le 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 l'époque entre guillemets, c'est la fin. C'est toujours ça qui est ouais, comme à c'est toujours vois, la même chose, Jamais hein. de bonne fin. tu vois. C'est la fin, c'est toujours en tout cas, cas. Fin, toujours, euh, en tout cas euh, normalement ouais. à Mizagi tu dois dire c'est comme quand t'as avec une meuf. C'est ce que j'allais te dire. j'allais te dire mais là aujourd'hui je suis pas chroniqueur. Tu lui prends Punchline En tout cas, en tout cas, l'histoire d'amour semble terminée entre entre Deschamps et Giroud, mais elle est pas finie entre Alia et son papa.

Ok, donc là, Moi, part, pu... donc sur, si, on revient, si on revient sur la sélection, donc, ok, à part donc sur, sur la, la, la liste en général, il n'y a pas d'autres absents qui vous manquent là-dessus Moi, j'ai une, une petite interrogation, elle va être simple, mais tu vois, quand t'es un joueur comme Ousmane Dembélé aujourd'hui, c'est. Ah, joueur, le Barcelonais qui part en la Bien sûr, mais quand même, ça reste un talent genre que personne peut nier, et à partir du moment où il est fit, je pense que c'est un nom que tu dois ajouter à la liste. Sauf qu'aujourd'hui, on comprend bien que. La liste de déchets, elle se fait avec des pistons et, et, a, et ça joue à trois devant, limite à deux, tu vois. T'as Griezmann qui est en faux, 10, en faux 9 en pardon. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vas pouvoir mettre Ousmane Dembélé en piston Impossible, impossible. Donc où est-ce que tu vas mettre aujourd'hui un joueur comme Ousmane Parce qu'on va dire que il fait des tests. Après, après est-ce qu'il se dit pas justement Alors, alors je me fais peut-être l'avocat du ouais, diable. Est-ce qu'il se dit pas en ce moment, il fonctionne plutôt bien Ousmane Dembélé Ouais, c'est Barcelone. Mmh, mmh. Je vais le ménager. C'est pas la peine qu'il équipe de France. C'est pas la peine qu'il se blesse mmh. pour des matchs euh, okay. euh, je, chocolat, tu vois ce que je veux dire, des matchs Mais qui servent un peu à la, rien. La, 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 le résultat de ça, c'est quoi C'est que le jour. Euh, moi, je te parle de, au moment ce sera la liste fatidique. Oui. Tu vas dire la même chose parce que tu vas vouloir gagner la Coupe du Monde mmh. bah, Connaissant Deschamps, je pense que si Ousmane Dembélé est en forme il sera pris dans le groupe. Mais dans le dispositif, maintenant, moi, je pense qu'il va être pris. Je te parle justement ah, dans le dispositif. Oui. Moi, c'est là où je pose la question. Oui. C'est où est-ce que tu l'incorpores aujourd'hui hein, Ousmane Dembele ah bah, de toute façon Il ne sera pas dans le consulaire Ouais, mais tu vas le faire entrer où tu peux... Je pense qu'aujourd'hui, dans, le... dans la tête de Deschamps, il ne présente pas cette garantie physique pour pouvoir euh, prétendre. Après, Ousmane Dembélé, tout le monde le connaît. Merci. Je pense que Deschamps, lui, a déjà... Il avait encore pris à l'euro alors qu'il avait fait une saison plutôt compliquée. Je pense qu'après, il le considère comme un, comme un remplaçant potentiel. Mais qu'à ce moment-là, il flambe pour l'instant au Barça. Je pense que même le Barça a envie de se dire.. Attends, c'est mieux qu'il reste à la maison, qu'il fasse les soins, plutôt que de faire des matchs d'équipe de France. Si bien l'équipe de France qui se reblesse encore, vu la fin de saison qui attend le Barça. Moi, je pense que s'ils le prennent, c'est parce qu'il y, y, y a un plan B de toute manière. On le sait tout le temps, bien un sûr. coach il a un plan B, un plan C. Mmh. Donc il y a un plan B, donc un autre système qui sera qui sera à revoir selon la physionomie des matchs. Après, il y a l'aspect l'aspect mmh. interne et, et on connaît Dembélé, hein, même s'il est bon vivre au, au sein d'un groupe mais hum, tout ce qui est retard euh, voilà s'il arrive c est, c est, ça pénalise un effectif hein, euh, surtout dans les compétitions euh, euh, comme la Commune coupe du monde voilà la plus grosse compétition euh, euh, si le mec à chaque causerie il arrive en retard s'il si y a toujours des pépins voilà c'est il joue il joue là-dessus il joue là-dessus on sait qu'on rappelle voilà on rappelle un géo parce que c'est un mec qui posera pas de problème mmh. c'est tout donc euh, à, à l'inverse Dembélé et ça peut être aussi une des raisons euh, pour laquelle euh, pour laquelle l'a peut-être pas appelé. Toi en tant que coach demain, tu avais un Ousmane Dembélé dans ton groupe là. Moi j'aimerais bien savoir comment tu gères Ousmane Dembélé aujourd'hui, parce que voilà c'est. vrai es pression presse pas. Entre toi après après ne bon, tu, tu refais pas les choses après <laughs> tu, bien tu bien sûr, pas et puis, puis euh, euh, j'ai jamais coaché non plus à un niveau pro avec la même pression médiatique et tout, et tout ce qui va avec donc euh, ça serait c est, c est, ça serait, euh, compliqué et respectueux de ma part je pense de, je pense de, de, de vouloir me comparer tu Moi je suis que sur mm un niveau amateur. Mais j'ai, d'ailleurs, si, si certains vont m'entendre et m'écouter, j'ai des joueurs de, de qualité par rapport au groupe, qui sont de qualité haute que du niveau où je joue, et aujourd'hui je préfère m'en séparer parce que c'est des poisons pour moi. Tu vois, et euh, j'ai un discours avec eux. Je leur explique que c'est un collectif avant tout, surtout dans la situation euh, actuelle. Mais justement, précise-moi te couper. Toi, par rapport à ton niveau amateur, ouais. quel genre de comportement toi tu ne pas qui a fait que tu as viré Tu as viré certaines personnes moi, pour quelles raisons moi, moi, je veux professionnaliser le milieu amateur. Parce que j'ai j'étais formaté comme ça, euh, je suis rentré en centre à 14 ans. Enfin euh, voilà, j'ai fait des concessions toute ma vie depuis très jeune. Pas de vacances en été. Enfin, t'as connu ça, non, non, pas ça. de vacances. Euh, n'est l'été, l'hiver, enfin t'as pas de vie euh, d'adolescent. Ouais. Donc tu fais des concessions, tu benne là-dedans, puis à la finale, même si tu te trouves un amateur, parce qu'on vient tous de là, toi tu vas mettre la pierre à l'édifice. Tu as des gamins qui ont un potentiel, on est en région parisienne, tu as des millions de gamins qui ont un potentiel en région parisienne. C'est comme le, euh, le deuxième pôle mondial euh, hum. euh, après, des ça, voilà. voilà, après, 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 euh, après le Brésil. Et, euh, euh, il faut, hein. faut que tu leur apportes un hein, plus. Moi, je veux pas être le coach euh, comme, euh, comme tous les coachs qui ont un BEF en région parisienne, euh, lambda, tu vois ce que je veux dire. Il ouais. euh, faut que, faut que j'apporte mon, mon plus euh, de ce que j'ai pu vivre. Et, et aujourd'hui, c'est professionnaliser la chose. Moi, un mec, euh, les mecs en retard, les mecs qui, sont, qui pensent que tu es sur un projet collectif, tu vois, et, et le mec, il est là, il est que euh, dans une partie individuelle, dans sa tête, à pensé qu'à lui, ça me plaît pas, ça me convient pas. Automatiquement, si collectivement, euh, tu, tu, fais, tu fais des bonnes choses, euh, ton, ton registre individuel, il va ressortir. Donc, tu fais pas de souci pour ça, tu vois. Mmh. Donc, euh, moi, je prime pour le collectif. Voilà, okay. pour la Et, et, et je ne veux pas dire que je me, je me, je me compare à un des champs. Euh, mais quel genre de, de comportement, mais vraiment, toi, as dit, as, tu as dit tu, là, tu, toi, ça, Moi, j'ai que deux séances par semaine. J'ai que deux séances en R3, tu vois, parce que bon, c'est par rapport au créneau que j'ai, par rapport okay. au terrain. J'en ai qu'un, j'ai pas le choix. Euh, mmh. Mais euh, tu t as, t as entraînement, tu pas, pas à l'heure de l'entraînement. Tu viens, tu viens vivre avec ton groupe avant, mmh, tu prends ta sûr. douche à la fin. Enfin, moi, je prends la tête à des gamins pour prendre leur douche. Aujourd'hui, on va se battre pour que les femmes prennent aussi un peu leur douche parce que les femmes, souvent, elles ne le font pas, tu vois. Mais allez-vous allez vous doucher. Ça. Tu partages du temps avec ton groupe. Tu crées des liens, tu tisses tu mmh. des liens, tu vois. Et ça, c'est super important. Et aujourd'hui, sur ma première partie de saison, moi, c'est un peu ce qui m'a manqué, tu vois, parce que j'ai voulu faire avec plus d'individualité. Donc, c'est ma part de responsabilité, tu vois, euh, parce que tu as que deux séances aussi. Donc, pour te rendre compte euh, ouais, de, de ça, temps, ça, ouais, ça prend du ouais, temps, tu ouais, vois. Ouais. Et, et sur la deuxième partie de saison, bah, j ai, j ai, voilà, on a décidé de fonctionner autrement, partir avec des minots. Donc là, j'ai monté 2 U19 et 3 U20 euh, à qui je tire mon chapeau parce qu'au parce qu niveau du rendu, que ce soit footballistique ou humainement, euh, euh, les gamins jouent le jeu et le, le reste du groupe auquel je… Au, Auquel là je suis en train de construire, autour du, 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 duquel je construis, il, il, il est que sur ces, ces là, sur ces enfin, valeurs -là. Vois, que sur ces valeurs-là. Et aujourd'hui, depuis le mois de janvier, bon on, on reste dernier aujourd'hui, on ne prend pas plus de points que ça, on est sur une victoire et trois nuls, On n'avance pas, mais on perd plus. Là, on était à 2-0 à la, la, la mi-temps hier euh, au Maccabi. Euh, qui est un club quand même qui descend de national, qui voilà, qu a, qu a eu sa chute est complète, mais il n'y a pas de problème. Mais qui est aujourd'hui en R3 avec, euh, avec un autre budget et compagnie, on perd 2-0 à la mi-temps chez eux, on revient à de 2-2 à la fin du mois Parce que les gamins, il y a quelque chose qui se crée, tu vois. Mm. Peut-être que je vais descendre, mais à, à, ce qui est en train de se créer là actuellement, ouais, c'est basé, de... des... ba... basé sur des vraies valeurs. Et ces valeurs-là, pour moi, elles sont importantes et c'est ce qu'on a. C'est ce qui nous manque dans le football, euh, dans le football moderne, en fait. C'est que tous les gamins, c'est que de l'individuel. Tu les vois, il y voilà, a n'importe quel niveau ils jouent. C'est eux, et leur, ils vont filmer de 15 000 sessions de, de matchs individuels, alors qu'ils jouent en district. Moi, je n'ai pas autant de vidéos sur Internet <laughs> que je veux dire. Tu vois, ça devient, ça devient de la folie. Tu vois, donc faut, ils oublient l'essentiel. Le football, c'est un sport collectif. Donc, il te faut des, des giroux dans ton, dans ton effectif il te faut des gars avec un euh, quand l'esprit d'équipe en gros et des Wissam dans, aussi dans, qui font les dans accompagnateurs dans l'esprit dans l'esprit les, ouais, je veux des mecs moi qui qui qui, puent, qui puent la vie de groupe en fait tu vois, mmh. okay. qui puent la vie de groupe quitte après, à avoir un peu moins de talent quitte à avoir un peu moins de talent ça okay. j'aime bien ça. mais le talent, ça, le talent il se développe d'ailleurs avec tout ça tu vois, parce qu'après mmh. il y, y, y a la confiance y a, je dis, les liens qui vont se créer automatiquement il bah, y a de bah, la confiance qui qui, 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 qui s'instaure et automatiquement bah, les mecs ils prennent euh, ils prennent de, de la valeur après à travers ce jeu-là. Alors, ouais, bon. réalité, ramenez euh, Bri, euh, Pris, euh, Price, pardon, ramenez-le en équipe de France. <laughs> <laughs> ramenez-le, c'est lui qui va <laughs> vous ramener les, les victoires. Mais justement, vas-y, vas-y, si tu voulais, voulais rebondir dessus. Non, ouais, ouais, mais pour euh, par que rapport, que à ce que tu disais, ouais, par rapport au. Je suis déjà, je suis totalement d'accord avec Price, mais par rapport aux au, au gagnants et aux perdants, parce que c'est ce dont on parlait, yes. tu vois. Je vais parce que là, sur, de... là, sur, sur le match, ouais. vraiment, sur le match… Je vais, être, je vais essayer d'être ultra précis. Déjà, pour moi, il y a Guendouzi. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il est marseillais, déjà. Non, mais… Ouais. <laughs> mais euh, non, parce que, tu vois, on, on est passé du petit bout de match à un peu plus. Et surtout, même lui, dans son, dans son body language et tout, tu sens qu'il est impliqué. Bah, bien dans bien la sûr. vie de groupe, bah, avant, tu, tu sens… Mais il y a encore au début, il donnait, il donnait, il donnait, il donnait sa doudoune à Benzema bah, parce qu'il avait froid. Voilà, bah, bah, que... là, tu sens même… Tu l'impression que c'était le petit du club. Tu sens un peu épanoui et tout. Et tu le sens surtout dans la lignée de ce qu'il fait à Marseille. Tu vois. Après, on va peut-être me dire trop pro-marseillais. William Saliba, moi ça fait longtemps que je milite en off pour lui. Pour moi, par rapport à la saison qu'il fait, et surtout les matchs clés contre des équipes intéressantes. Et forcément, on a tous en tête le tacle contre sur Mbappé. Sur Mbappé, ouais. tu vois. Et tu sens vraiment que c'est un joueur qui a pris en maturité et qui est dans un système qui ressemble à son système à l'OM tu vois et d'ailleurs Saliba, Saliba il devrait débuter normalement euh, voilà. également donc, euh... donc pour moi il y a deux tu vois l'Afrique du Sud <coughs> tu as tu as ces tu as ces deux là et euh, c'est et celui, qu est celui qui a explosé ah oui ouais ah, bah est parce que il est sur la photo et forcément Aurélien Aurélien, Aurélien Chumini, et pareil c'est un joueur vraiment ça fait plusieurs mois je parle beaucoup de lui j'aime beaucoup ce qu'il dégage et tu sens qu'il y a une grosse marge de progression de fou et tu sens que lui ce qui est bien c'est que humainement, tu sens qu'il est là pour apprendre. Tu sens bah, qu'il est dans une position. Bah C'est là où euh, je voulais en venir. Il euh, y, y a plusieurs joueurs qui ont témoigné. Y a, ouais. Apparemment, il aurait demandé des conseils à Patrick Vieira Il a demandé des ça. conseils à, à Mathieu Baudemer quand il avait, été un, quand il avait su, fait un match de Monaco. Il avait demandé après. Il avait débriefé avec ouais. lui pendant une heure. Apparemment, il prend toujours le soin de demander aux mecs qui ont joué le même poste que lui, leur demander des conseils. Et tu sens que le gars, quand même, a la tête sur les épaules. J'espère qu'il va continuer comme ça parce qu'il y a quand même des gros clubs qui sont sur lui-là. Tu as le PSG, tu le Real. Euh, Est-ce que pour vous, tu à terme, il sera donc Price. Pour toi, il sera titulaire en équipe de France. Euh... Il, il doit ouais, l'être. pour moi. Ça Mais est-ce qu'il est... le sera Moi, je pense qu'il sera parce que pour moi c'est le futur patron de l'équipe de France. Ah carrément, euh, le, euh... le mot est lâché. Patron ouais, de l'équipe de France. C'est le futur patron. C'est jeune, hein, c'est jeune. Voilà, même sur, sur l'équipe qu'il est en train de construire. On mmh. va sur OSL, est ce qu'ils disaient tout à l'heure. Il y a le futur. Il y a pas de ouais. la Coupe du monde euh, du Qatar. Maintenant, quand est-ce qu'il sera, euh, qu sera titulaire ça, je ne suis pas devin et, et, euh, et bah, pour te dire, je n'ai même pas vu le match de l'équipe de France euh, puisque j'étais en séance mardi. Bon, j'ai revu seulement des bouts, mais, euh, mais ça sera le futur. Pour moi, c'est le futur patron de l'équipe de France. Alors, c est, c est vrai, il, a un, il a un volume euh, euh, extraordinaire et il a une assurance, mmh. il a une assurance mais euh, hors norme, tu vois. Et, et aujourd'hui, bah, qui va débloquer euh, le match contre le. Enfin, euh, mardi. Euh, c'était mardi, ça. Je suis décalé, moi. Qu ouais. Qui viennent débloquer le match à la 92e minute de jeu, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est écrit, c'est comme ça, en fait. Tous les grands joueurs, c'est comme ça. Maintenant, même si ça reste un match amical, la Côte d'Ivoire, ça reste une équipe. Ah, c'est équipe, la euh, Nasser une grosse pour toi parce que est-ce que tu le vois dans le même registre que, drogue, que, drogue, j -bas, que Pogba, Pogba où tu le tu, tu le vois où tu le vois Pogba compatible Comment tu verrais le milieu d'équipe de France du coup bah, franchement le voir euh, au même profil que Pogba je, je dirais non parce que c'est un joueur qui est pas forcément euh, le même au niveau euh, c'est pas un joueur qui joue vraiment euh, techniquement il se met pas en difficulté non plus comme un un, un Paul Pogba et tout ça c'est vraiment un joueur qui est un peu euh, euh, un peu un hybride si je pourrais te dire qui peut qui sait très bien défendre mais un bon stratège aussi au milieu de terrain et euh, est-ce qu'il est compatible avec Pogba pourquoi pas parce que justement il a cette, cette notion défensive qui est qui est aussi assez intéressante mais euh, le profil d'Engolo quand même c'est ouais, ouais. un profil qui est très compliqué à aller trouver et je suis pas sûr qu'il soit pense que le ça, gars... ça, ça, ça le freinerait si ouais, de jouer avec Pogba tu vois ouais, ça le freinerait dans, que... son, dans son élan ouais. ouais. moi je vois plus ah. tu vois Méni N'Golo Kanté, comment tu Tu vois mis Et ah c'est là, là. Mais où... dans ce cas, bah dans ce cas, alors c'est incroyable ce que vous êtes en train de me dire, cest que vous êtes en train de me dire aujourd'hui en équipe de France que vous voyez plus, Chouameni pas avec. C'est me... Ah pas voilà, un voilà, change, voilà. voilà. Dans, dans la, dans la complémentarité. Mais moi, Si aujourd'hui, on on a commencé comme ça, on va finir comme ça dans le vie ma vie de donc en gros, si moi, vous... Êtes... Je te mets le couleur de canté les Donc tu je ne mets, mets, mets pas Pogba pas. Non, parce que je préfère, hein, je préfère la, la simplicité du Aïe jeu y a, de Choménis. Il n'y a, a, a pas de Pogdance, attention. <laughs> non, mais moi je préfère ça <laughs> C'est critique. Tu sais, si on pense que... Si, si on, on regarde vraiment <laughs> les, 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 les performances, euh, surtout les, les performances récentes, je peux te dire qu'il y a certains, pour moi, euh, encore plus, Mardi. Mais à certains joueurs qui ne devraient pas forcément être titulaires en équipe de France. Donc, ah tu non, vois... ben, là, ce que tu es en train de me dire, c'est ce extraordinaire. Et je kiffe ça d'ailleurs. Donc, là, vous êtes tous les trois en train de me dire que si vous étiez des champs. Aujourd'hui, Paul Pogba ne serait pas titulaire en équipe de mais, France. Euh, Paul Pogba a, a, a pleine possession. Mmh. De ses Assume Nasser. Non mais je te le dis. <laughs> <a pleine> possession <laughs> de ses moyens. On en, on en discute, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'il est blessé. Un, un mec comme Raphaël Varane aussi qui fait pas forcément mmh. une très très mmh. grosse saison avec Manchester United. Pourquoi pas euh, qui, qu qui, euh, je, je pense que un mec comme William, William Saliba, euh, là, c'est pile le moment où il pourrait être sur le, sur le terrain et montrer ce qu'il a, a montré. montrer. À terme, on ne sait pas, Dans, en décembre, peut-être que Varane reviendra, mais je pense que je ne serais pas moi déçu de voir un, un joueur comme Saliba ou un joueur comme Chouamini remplacer un Pogba ou un Varane. mais pourquoi pas? Après moi sur ah. Pogba, je suis plus mesuré. Alors, effectivement, il n'est pas sur une grosse saison. Ça, on le sait. Mais on, mais quand on est commence à connaître. Le bonhomme. On commence à connaître le bonhomme. Pogba, euh, je pense que déjà l'équipe de France, c'est entre guillemets son d'air. Et je suis... Persuadé. Et les faits, les faits sont là. Pogba, Coupe du Monde, il sera performant. C'est son truc. Les grands événements avec l'équipe de France. Par contre, les grands événements avec Manchester, c'est discutable. Mais avec l'équipe Def, pour moi, euh, tu es encore euh, sur du Pogba, Kanté. Il a tout gagné avec l'équipe de France déjà. Bien Dans sûr. la tête, tu vois, il a, tout, il a tout gagné. Eux, ils ont beaucoup à prouver. Ils veulent oui. aller chercher des titres justement. Donc, euh, mmh. au niveau de, bah, de l'état d'esprit et de ce qu'ils peuvent apporter mentalement sur le terrain, les mecs, ils vont, ils vont se transcender. Moi, c'est plus comme ça que je vois la chose. Tu vois, c'est qu'ils vont se transcender par rapport à, à certains. Là, tu prends des des Griezmann, et voilà. C'est on, on connaît les valeurs qu'ils ont dans ouais. les dans les grands événements, mais ils ont tout gagné. Tu vois, donc il y a un moment, euh, ce petit ce petit renouveau, tu vois. Euh, ça, moi, je pense ça que ouais, bien, je pense. Ça. Que et, ça et je vais vous vous poser une, une dernière question sur l'équipe de France. Enfin, sur ce sujet-là, l'équipe de France, parce que là, on a parlé de, de, de la concurrence Pogba, Tchouameni mm. et ils risquent d'être en concurrence également pour être recrutés au Paris Saint Germain. Parce que Pogba va arriver libre, enfin il peut signer mmh. libre. Et Chouameni, voilà, comme il est l'a dit tout à l'heure, il est sur les grands clubs. Si vous étiez le Saint-Germain aujourd'hui, vous prendriez Pogba ou Chouameni Chouameni tous les jours. Hi. Moi, si je suis Chouameni, je ne vais pas au, au PSG. voilà. Ça peu... Quels points la gueule Je ne maintenant, je veux devenir animateur. Non, 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 non. À l'autre jour, on va, on va switcher non, Franchement, ouais, mais pas, franchement Non, Il faut tomber. Si je suis pour pas mon frère. T'as passé dans Papa ou quoi Si j'étais le PSG, aujourd'hui, clairement... Je prendrais Pogba, comme ça tu as Mini par ailleurs. <laughs> non, donc, donc tu prendrais toi aussi Chouaméni Non, je prendrais Pogba, comme ça tu as Mini par ailleurs. Non, mais tu, tu, veux trop faire, tu, veux, tu veux trop matrixer les gens dans leur tête. Je te pose une question simple si tu es aujourd'hui le directeur sportif du Paris Saint-Germain, que tu dois recruter. Franchement, as... il faut Voilà, parle français, Salut. Nasser. Depuis tout à l'heure, tu parles Pardon comme rien. Je t'ai dit est-ce que, est que si tu es directeur sportif non, non, du non, Paris Saint-Germain, tu prendrais tu Chouaméni Ouais, ouais. Ça fait deux Chouaméni. Ah, mais ça fait trois. Ça fait trois. Parce que, parce que Paris, moi, j'ai compris qu'il y a des marchés autour de la table. Hein. <laughs> moi, moi, je ne suis pas pro, hein. je suis pas pro-parisien, mais... Voilà, tu, je... tu, aur tu aurais le droit. Hein. Euh, moi, je ne suis, suis pas un pro-parisien, mais je supporte le, je supporte le PSG. Euh, et et, et je ai franchement ras le bol d'être un club, on va dire, euh, collectionneur de vignettes. Mode ouais. Panini, tu vois, ouais. Ouais. Panini, ouais. tu vois où on ne collectionne ouais. que des noms. Et euh, ok, on a les plus beaux noms, voilà, on a les Beckham, on a les machins, mais c'est que des noms. Et aujourd'hui, si Pogba il vient, dans quel élan il va venir tu vois Exactement. Et dans quel élan il va venir avec euh, s'il y a encore du Neymar et machin et On connaît euh, la, la vie parisienne. Dans quel élan il va venir Alors que Chouanémi il a tout à prouver. Donc s'il euh... vient, moi j'en doute pas, il sera sérieux à 3000%. Et, et c'est ces états d'esprit-là qu'il faut ramener au. Au, au sein bon. du club pour qu'il y ait vraiment un… Bon, en tout cas, quand je regarde un, le chat voilà. tout le monde est d'accord avec vous. Il y a Chica, mmh. par exemple, qui dit « Aucun club bien, bien dirigé ne peut prendre Paul Pogba. Euh, » Mais il, tout, il est quand même un peu comme toi, Nasser, il dit « J'espère que, que Chouameni pas, ne finira pas dans ce bourbier. » Tu vois, je ne suis pas le seul <rire> sorcier. <rire> hein. non, non, tu tu vois, je suis pas le seul sorcier. Sur le, choix, sur le futur choix de Chouameni, je pense qu'on est tous d'accord. Mais après, on, on analyse et on se dit, le Paris Saint-Germain a besoin de ce genre de profil ouais. aujourd'hui. Ouais, oui. Mais oui, si ça fait Chouamini, des années qu'ils cherchent le grand. Voilà, le, 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 oui, oui, bon si non, les gars. Oui non, si c'est pour qu'ils souffrent tous les matchs parce que justement les quatre de devant. Ou les ah non, mais faut qu'il qu mais un. Faut qu'ils fassent un ménage. Le ménage, il est clairement difficile avec les salaires qu'il y a. Pour être dans le réel, c'est impossible, limite. Et si tu vas mettre, tu vas mettre dans un dans une guerre où il ne il fait que défendre tout seul. Je pense pas que ce non, soit un non, ça, va, pour lui. ça va, ça va ouais, lui il être défavorable. La <laughs> on va parler d'un autre joueur du Paris Saint-Germain. Et là, on va, passer, on va passer un peu, on on, viendra, on, aura, on aura le temps de revenir sur les performances de l'équipe de France. D'ailleurs, ils vont jouer mercredi contre, contre l'Afrique du Sud. Il y aura encore le temps des matchs de préparation contre, pour la, la Coupe du Monde. Mais il y a, il y a eu un fait qui m'a interpellé et que je trouve le sujet super intéressant. J'aimerais bien avoir votre avis. C'est ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'était lors du rassemblement, il a refusé de participer à un, un media day, media euh, ce qui se passe avec les, 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 les mmh. conférences avec les mais, même pas media training, c'est le jour de la journée des médias oui, en fait, journée, en fait où bon. en fait il devait faire la, faire la promotion de certains sponsors de l'équipe de France. Et à travers son avocate, il a dit qu'il n'était pas content, qu'il remettait en cause la convention qu'il avait signée, parce qu'il faut savoir que lorsque tu euh, je vous propose quand même le contexte 2010 ouais. le plus gros fiasco de l'histoire du football français, en tout cas pour pour beaucoup, Nice-Na. Du coup la fédération met beaucoup de nouvelles règles. Et elle met aussi une règle, elle en profite, pour justement, à Maline au niveau mmh. elle fait signer aux joueurs, n'importe quel joueur qui arrive en équipe de France, dès sa première sélection, jusqu'à cinq ans après l'arrêt de sa carrière, il signe une convention sur la cession sur la co collective des droits d'image. Ça veut dire que tous leurs droits d'image en équipe de France, ils ont signé ce, ce, cette convention-là, jusqu'à cinq ans après ton, ta retraite. Et lui aujourd'hui, Paul euh, Mbappé a décidé, a dit que de un, il souhaite que on revienne, renégocier renégocie cette convention. Alors je sais pas si c'est juste pour lui. Non, il veut, veut qu'elle soit individualisée. Il veut qu'elle soit individualisée. Ouais. Et surtout, il dit qu'en gros, les sponsors, certains sponsors de l'équipe de France ne correspondent pas à ses valeurs. quest ce que vous en pensez, Wesley Bah déjà, euh, ça en dit long sur la gamberge du joueur et de son entourage. Tu vois, moi je trouve que c'est bien. Moi j'aime quand on, quand on repose des questions. Tu vois. J'aime ça. Je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que tu penses quoi Est-ce que c'est la place d'un joueur de l'équipe de France Alors, je pense, son rôle En fait, moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on sent qu'il est dans un élan d'impact social. Tu vois, et forcément, je suis très sensible à ça. Je suis très sensible à... à je je très... Très... Déjà, tu es très sensible déjà. <rire> <rire> je, voilà, je suis très sensible à ça. C'est une bonne chose parce qu'à un moment donné, euh, le football est un business qui génère des sommes extraordinaires. Des sommes, euh, voilà, on le sait, là, les deals entre l'équipe de France et que ce soit Volkswagen, NG, etc. On parle de grosses, grosses sommes. Et c'est vrai que les joueurs sont, euh, entre guillemets, ce sont les acteurs. S'il les... y a ce business, c'est parce que les acteurs sont là. Donc on va demander aux acteurs, non, 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 vous vous taisez, c'est comme ça Je trouve que c'est une bonne chose. Après, peut-être que la demande, elle est forte, tu vois, de, de vouloir individualiser euh, les droits à l'image. Est-ce que tu le crois sincère dans la démarche, Moi, Après, bah, mmh. si tu prends les faits c'est il, voilà, il y a la fondation euh, Kylian Mbappé ils font de l'aide au de devoir ils font pas et mal et puis surtout faut a... il faut savoir qu'à chaque fois il reverse toutes ces ce primes perçues en équipe de France voilà. il faut quand même le souligner Donc, aussi tu vois c'est pas un truc sorti du chapeau il y, a, il, y a, il y a quelque chose derrière il y a un background et je pense que ça se tient tu vois et euh, comme je disais aujourd'hui les acteurs je pense qu'ils ont leur mot à dire alors est-ce qu'on va tout changer et tout euh, mais le, tout va tellement vite qu'à un moment donné quelque chose qui a été euh, rédigé en 2010, pour moi c'est pas une tare aujourd'hui de remettre les choses sur la table et de négocier et surtout hein, mon, moi ce que j'aime avec l'entourage de Kylian Mbappé, ils ont compris que le football c'est rapport de force et à un moment donné rapport de faiblesse. Aujourd'hui tu es en position de force et eh ben faut demander des choses. Nasser que tu en penses Qu'avant les grandes stars du foot par exemple. <laughs> que ce soit par exemple les Zidane qu'on a eu ou les autres joueurs de l'équipe de France. Bon, ré récemment, tu as eu comme Cristiano Ronaldo qui s'est exprimé sur le Coca-Cola en disant qu'il fallait pas boire des boissons gazeuses, etc. C'est quand même un phénomène nouveau qu'on voit pendant des années et pas ça. Est-ce que tu penses que c'est un bon virage qu'ont pris les joueurs Ou alors est-ce que tu penses que ça va être compliqué parce que mettons qu'un joueur te dise moi je veux pas certains sponsors, moi je veux ces sponsors-là, mmh. alors qu'au final c'est quand même les sponsors de l'équipe de France et que c'est eux en fait qui font vivre le, le, la fédération. Est-ce que tu penses que c'est un bon virage pris et que c'est un truc générationnel par rapport à, à cette nouvelle question Non, je pense qu'à la réponse dans ta question, je pense que les joueurs aussi font vivre la, la, fédération, la, la FFF et, et en gros euh, euh, tout, la, la sélection. Pardon. Et tu as donné l'exemple de Cristiano Ronaldo. Il me semble qu'avec le Real Madrid, là, il, était, ou même, euh, il a fait un bras de fer aussi avec le Real Madrid par rapport aussi hein, à, à, à une marque que lui ne voulait pas porter. Moi, je serais comme Wesley. Je pense que ces joueurs-là, aujourd'hui, sont tellement idolâtrés et sont tellement des, des icônes pour des jeunes, que ce soit de 10 à même des adultes qu'aujourd'hui, le joueur est capable de se dire que si moi, je prône euh, d'être fit et de, de représenter quelque chose et d'être sportif, si demain, il y a une marque qui est complètement à l'opposé de son image, justement, lui, il est là pour expliquer que je ne suis pas forcément d'accord avec cette image-là. Aujourd'hui, moi, j'ai plus l'impression que le clan Mbappé, comme on dit, ont pris conscience qu'ils ils veulent, ils veulent créer une icône. Ouais, mais dans ce cas -ce que, je... Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas aussi un peu parce qu'on dit qu'on voit les côtés positifs ce qu'a souligné Wesley mais est-ce que c'est pas aussi un côté individualiste qu'en gros il veut négocier pour lui Oui mais aujourd'hui c'est peut-être triste à dire et c'est peut-être ce que les gens on n'a pas l'habitude d'entendre Alors que tu es quand même dans une dans un une dé... à la limite oui, mais... avec le Paris Saint-Germain, dans les clubs, Wesley connaît mieux que... ça mieux que moi. Les, les joueurs négocient directement, enfin c'est du... de... de... individuellement. Mais en équipe de France, normalement, après on sait que les sponsors veulent d'ailleurs bah, les trois plus... quatre stars de, de... de l'équipe. Mais du coup, s'il négocie que pour lui, est-ce que justement cette... tout ce discours sur l'impact social et sur le, le... le fait d'être quand même un joueur important de l'équipe, est-ce que ça va pas un peu le couper de certains de ses partenaires bah, Justement, moi, ce que je voulais par rapport à ma réponse, je vais juste compléter par rapport à ça, son impact social et ce qu'il en fait. De... On... on a aussi vu que qu'il redistribue toutes ses primes. Donc déjà tout ce qu'il gagne en, en, en équipe de France, ce n'est pas pour lui. Il le redistribue. Donc à partir de là, on peut faire un constat de sincérité. Deux, c'est que aujourd'hui, soit on voit le football comme des spectateurs et on aime le voir comme des spectateurs parce qu'on aime le football. Mais il ne faut pas oublier que ça reste aussi un business de personnes qui gagnent de l'argent par rapport au football. Et je peux te donner, je ne vais pas faire de la pub pour X raison euh, ou truc, mais si cette table sponsorise l'équipe de France. Si l'équipe de France a un joueur comme Kylian Mbappé, cette table ne va pas payer aussi cher que si Kylian Mbappé n'est pas dans l'équipe. Bah en tout cas, Et... dans, dans, dans le chat, Nasser, il y en a qui s'est partagé. Ouais, euh, T'en as plein qui disent comme Chica qui, qui doute un peu de sa sincérité sur son impact social. Et après, t'as quand même Onur, Onur qui avait aussi, qui était aussi intervenu sur. Euh sur le, 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 le débat Chaumeni-Pogba. Ch Ch en gros, là, ce qu'il dit, c'est que pour lui, il, il comprend Mbappé parce qu'il estime sure. que s'il est contre les paris sportifs, il a pas envie, justement, d'influencer les jeunes euh, qui se retrouveraient euh, sur tel ou tel site de paris sportif devenir accro, mm. et, euh, et voilà. Il n'a pas envie d'avoir cette sorte, en, en, en tout cas, de, de les influencer. Et ça, ça je quoi, comprends totalement. Merci, Anasser. M Moi, je, je, com je comprends son fonctionnement, et, et non, je voudrais juste te poser une question, c'est... Pourquoi, enfin, pourquoi on devrait toujours remettre en question en fait l'agissement des gens, tu vois, enfin, et surtout des, des athlètes ou des. Pourquoi on ne pourrait simplement pas euh, accepter sur leur position, tu vois, là on est en train de se dire, est-ce que, c'est -ce est, est joué, est-ce que c'est pas joué, allez même si c'est joué, même si c'est joué, ça fait du bien à des gens, tu vois, oui. euh, tout, 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 tout ce vecteur positif, là, toi tout ce qui tout ce qu'il apporte le tissu, enfin, voilà, il est, il est beaucoup dans le tissu social, on sait qu'il voilà, qu donne des primes. Donc, on est en train de se, se dire, est-ce que c'est sincère, pas sincère, est-ce que... ouais parce qu'on va en faire une icône. Ça, on sait très bien qu'ils veulent qu en faire une icône. Ça, on le sait. C'est l'étiquette qu'il a sur le dos, ou ça sera le futur Ballon d'Or, ça sera le futur plus grand joueur de la planète s'il continue ses performances. Donc, automatiquement, ils en jouent. Maintenant, voilà, maintenant, moi, je, je trouve que ce qu'il fait, c'est bien. Il y a, y a une époque, il voilà, y, a, y, a, y a le football moderne et le football d'avant, les joueurs n'avaient pas trop leur mot à dire. Mais pourquoi aussi parce que médiatiquement parlant, on n'en était pas là. Il n'y avait Alors. pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, on ne balançait pas tout ce qui pouvait se passer. Enfin, moi, j'en suis le premier euh, au ouais, euh, milieu. Hein. Pourtant, j'ai joué euh, au début des années 2000. Tu ah, vois ouais. Et il euh, n'y avait pas autant de vidéos, y avait pas, on ne se faisait pas autant interviewer. Tu n'avais voilà, pas autant ton mot à dire. Mais à la finale, on était presque des moutons. Tu vois okay. et, et ouais, ouais aujourd'hui, des mecs y, qui se révoltent, qui se rebellent. Un peu un Ronaldo et bien sûr si je bois pas d'alcool pourquoi tu mets une bouteille d'alcool devant moi tu vois enfin euh, moi je moi ça je moi ça te je, je te respecte, moi j'aime non j'ai pas de respect j'aime j'aime moi j'aime c'est du caractère alors, en fait alors, et t'as besoin de, fin, as besoin d'avoir ces, ces comme vous êtes tous d'accord je vais essayer de me faire l'avocat du diable parce que mettons que on va parler quand même aussi de la fédération ça paye aussi le football amateur mm -hmm. aujourd'hui si vous, par exemple vous coupez des gros sponsors comme Coca-Cola on va pas on va le citer hein, si mm -hmm. a, il a pas voulu d'ailleurs D'après les, les sources, Coca-Cola était l'un des, des, des sponsors pour lequel Kylian Mbappé ne voulait pas faire de publicité parce qu'il est engagé dans la bonne nutrition, surtout mmh. par rapport aux jeunes. Il y avait les paris sportifs aussi. Il y avait les paris sportifs, les sportifs et et il y en avait ouais. encore quelques autres, quelques, quelques, quelques autres. Mais dans ce cas-là, si on se prive de gros sponsors comme Coca-Cola, comme certains sites de paris sportifs, est-ce que dans ce cas-là, pour vous, euh, vous acceptez le fait que ça occasionne un grand manque à gagner pour la fédération et du coup pour les clubs amateurs bah... Bah... Parce qu'en gros, l'équipe de France c'est la vitrine. Non, je suis d'accord. Amine, je suis d'accord. Et en fait, moi, ce que. Bah, un peu de vous tutiller parce que vous êtes tous d'accord. Non, mais t'as raison, t'as raison. C'est une très bonne question. Parce qu'effectivement. c'est du business, Il y a un rapport de force. Il y a un rapport. est ce que tu as avancé, c'est une réalité. Il y a un rapport de force. Aujourd'hui, Coca peut dire Ok, Ah il veut pas venir. Ok, bah nous, on coupe le robinet. Bah, c'est ça. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, à un moment donné, aujourd'hui, le football, c'est un business qui génère des milliards. Mais le football, c'est qui Le football, avant tout, ce sont les acteurs. Qui sont les acteurs le football, Les voilà. acteurs sont les joueurs. Et, et cette notion de, de rendre un peu de pouvoir aux joueurs, moi, à, à travers le, 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 ce que fait le club Mbappé, c'est plus ça que je vois. C'est de rendre un peu le pouvoir aux joueurs. Après, effectivement, s'il y a un bras de fer, le football amateur peut être peut se manger une balle perdue. C'est ça. Je, bah, je suis bah, d'accord avec toi. Parce que évidemment, quand on voit tous le comportement là. Moi, je suis tenté d'être comme vous et de dire il a, il a pris ses responsabilités. Lui, mmh. s'il a engagé sur certaines valeurs, moi, tu me demandes par exemple moi, de faire des pubs pour les paris sportifs. C'est un truc que je ne ferai pas parce que ça met mmh. plein de gens en galère. Parenthèse refermée. Mais après, l'impact que ça a sur le reste de les, du groupe. Parce qu'encore une fois, moi, je ne sais pas comment les joueurs vont prendre ça, même ses coéquipiers, si par exemple, ils négocient que pour lui. Mmh. Il, y a plein, il y a plein de trucs derrière. Mais en mmh. tout cas, au moins, il a eu, pour moi, il a eu l'intérêt de mettre un pavé dans la mare et au moins de dire écoutez, les gars, déjà, ce truc-là, on devait le signer pour 15-20 ans. Alors que, euh, c'est vrai, y a, y a, y a, y a eu, au moins il a eu le, le mérite de lancer ça. Et après, chacun se fera sa propre idée, et on verra en tout cas ce que ça va donner. Je suis curieux vraiment de voir la suite, parce que je pense que les sponsors, ça va forcément les, les, les forcer eux aussi. Parce que Coca-Cola, ça fait plusieurs moments qu'ils sont dans la sauce, là. Après l'affaire Cristiano, il y a eu plusieurs joueurs, même à l'Euro, qui, qui ont même copié sur lui. Là, t'as Mbappé, c'est pas des petits joueurs qui parlent, en fait. là, sûr, ça... mm, mm. là on verra après, dans les, dans les, dans les semaines à venir, les, les impacts. Et là, il est temps de parler de l'Afrique. Ah Sujet sensible apparemment, sujet. Hein. Ah, sujet sensible, hein. Gros sujet. Et là, là, la zone Afrique. Kylian ah, y a Mbappé d'ailleurs qui est, qui nous, normalement qui est la synthèse entre toi et moi, ouais. Euh, Puisqu'on lui a posé la question, non, il est, a dit. On est des pays frères. <laughs> on, est des pays on lui a, frères. a posé la question, il a dit. Je suis de nationalité française, mais le Cameroun et l'Algérie, ce sont mes racines, donc il n'y a aucun souci. Et lui, il a, voilà, il est resté neutre, Mbappé. La communication parfaite. <laughs> il n'a pas voulu se mouiller. On va juste faire le point sur les, les matchs de barrage qui ont eu lieu vendredi. Il y a eu donc le Congo et le Maroc qui ont fait match nul au Congo un partout. Il y a eu le Cameroun qui a perdu sur sa pelouse à Japoma. Enfin sur sa pelouse, je sais pas si on peut appeler ça une pelouse. 1-0. Qui ont perdu 1-0 sur un but de Slimani. Il y a eu l'Egypte qui a battu le Sénégal 1-0. Il y a eu le Mali qui a perdu 1-0, un but contre son camp, contre la Tunisie. Et le Ghana-Nigeria, 0-0. Sachant que les buts à l'extérieur continuent, ça, ça, ça compte toujours, euh, ça compte plus en Ligue des Champions, mais ça, coûte toujours, ça compte à la, à la canne enfin faire la Cannes, aux qualifications pour le Mondial. Est-ce que pour vous, après les matchs aller, les jeux sont faits Wesley <rire> euh, <rire> Non, alors, en toute objectivité, puisque le football nous réserve toujours de belles surprises, et on l'a vu avec des. Euh, là, on prend même l'Italie qui est sortie, enfin bref, mmh. Voilà, il y, y a toujours des surprises. Si tu es factuel sur les scores, non, les jeux ne sont pas faits, parce qu'il on a, on a, y a un but d'écart. Après, si tu vas un petit peu plus loin et tu prends les, en considération les contextes dans lesquels vont être joués les matchs-retour, Là sur la question, je serais un peu plus. Euh... Qu'est-ce que tu veux ça. insinuer par là, ah, West? Ah, Blida, mon frère. Tu <laughs> 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 as peur de quoi, Blida West? Dis-moi tout. Non, 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 mais plus sérieusement, les... il y a des matchs retour qui, qui s'annoncent très. Compl... Il y a des équipes qui sont en ballotage favorable. Voilà, c'est plus comme ça que je voulais Alors, dire. Alors, ouais, Wes, on plaisantait mais on va parler un peu plus sérieusement sur le match Cambo en Algérie. Ouais. On en avait parlé en off toi et moi. Est-ce que tu penses que par exemple le fait d'avoir amené Rigobert Song euh, juste avant un match, deux matchs aussi importants. Ouais. Est-ce que pour toi, moi tactiquement, il m'a un peu surpris euh, Mais... l'ami Rigobert. Et, et... Ah, bon, moi, j'étais content hein. ouais. euh, l'ami Rigobert. s'il veut ouais. continuer comme ça même ouais. mardi, moi ça, ça me va. Mais est-ce que tu penses que le timing, euh, le, le timing du changement de coach juste avant deux matchs super importants, c'était le bon timing Est-ce que tu penses qu'il peut rectifier le, tour, le le tir pour le match retour Pour moi, je, vais, je ne vais pas mâcher mes mots. C'est un très 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 mauvais timing. Depuis quand tu vires un coach qui réussit une compétition euh, continentale mm -hmm. à la veille d'un barrage de Coupe du Monde Donc, si le coach réussit une compétition, c'est que quelque part, le groupe est quand même un peu avec lui. J'essaye d'être mesuré dans ce que je dis. Mm -hmm. Le groupe est avec lui. Donc, tu le vires avant un match capital. Parce qu'entre deux, il n'y a pas de match. C'est la CAN. ensuite, tu as le barrage. Et donc, ça. à l'aube d'un barrage, tu renvoies un coach qui a réussi sa compétition. C'est vu Parce comme ça. Parce qu'il faut quand même rappeler que Camus, on a quand même fini troisième de la CAN. Ils ne se que... fi... voilà. sont pas fait éliminer au premier tour. Euh... Vu, vu comme ça, c'est complètement fou. Et si je vais un petit peu plus loin, euh, Rigo attention, je ne remets pas en question le, le, le joueur, joueur emblématique. Non, mais là, on parle vraiment de, de, du coach. Là, il, est pas, il est devenu coach. Sur, tu vois, le, ça. sur le match. Sur le match. Euh, Cameroun-Algérie, le Cameroun n'a rien proposé. Absolu Alors, sur les dix premières minutes, oui, des exploits individuels, coup franc de Toko et Kambi et euh, les, les, les passements de jambes de euh, Vincent Aboubacar. Abou Abou Mais si tu prends le match, il y avait zéro fond de jeu. Zéro fond de jeu. C'était domination stérile. Et ça, l'Algérie l'a compris. L'Algérie, ils ont laissé le ballon au Cameroun. Ils ont compris. Et par moment, ils sont sortis deux, trois fois. Tu vois Mais en soi, l'Algérie, elle a fait le match parfait. Tu mets un but sur coup de pied arrêté était solide. Et ce qui est frustrant, c'est que ce n'était pas une grosse Algérie. Oui, Je absolument. pense qu'on est tous d'accord sur, euh, avec tout le respect que j'ai pour la nationalité, pour l'équipe nationale d'Algérie, ce n'était pas une grosse équipe d'Algérie. Face à une équipe comme ça, tu, te, tu ne te crées pas forcément d'occasion. C'est pour ça que, à mon sens, l'Algérie est en ballotage très favorable. Mais dans ce cas-là, ouais, si on, mmh. on continue sur, ce, sur le match retour, maintenant du coup, parce qu'on ouais. on a, on a fait l'analyse, on a vu déjà pour le match aller. Pour le match retour, toi, tu penses que quels sont les motifs d'espoir pour le Cameroun de penser qu'ils peuvent se qualifier Moi, je pense sincèrement que euh, si le Cameroun fait une grosse parce que en vrai là ça, tout va jouer sur l'approche du match. Bien sûr, tout va jouer sur l'approche du match. Ce sera, ça va être les mêmes adversaires, les mêmes coachs. Je pense que l'Algérie forcément tout le monde s'attend à Blida, ça va être le feu, l'Algérie vont terrasser le Cameroun. Tu vois, bah, je la... pense pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est le, le truc qui peut te venir à l'esprit facilement. Tu vois Ah, bah ça serait, non, mais une... Si ça tu... serait une mauvaise interprétation. Mais, voilà, mais si tu fais l'analyse un peu euh, lambda. Par contre, si le Cameroun fait une grosse. Parce que l'Algérie reste quand même sur. Euh, comme j'ai dit, ils n'ont pas montré un truc de fou et ils restent sur un échec qui n'est pas si loin. Je pense qu'il y a moyen de faire douter l'Algérie rapidement. Si tu fais une grosse entame de match, qu'il y a des faits de jeu qui sont pour toi, que tu te crées deux trois occasions, il y a moyen de faire douter l'Algérie. Mais si l'Algérie aborde le match sereinement, pour moi il y aura, il y aura pas, ce sera très compliqué pour le Cameroun. Nasser, sur ce match Cameroun-Algérie, on de penser aux autres Le prochain celui qui ouais. arrive. Bah écoute, je pense que le Cameroun s'est mis en difficulté clairement et que ça va être assez compliqué d'aller chercher l'Algérie surtout chez elle. Maintenant je, re je rejoins ouest, que, enfin aujourd'hui on est sur des, des continents où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de, 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 de ferveur et d'émotions et je pense que comme il dit, si euh, le Cameroun commence très très bien le match, ça peut faire douter pas mal de joueurs euh, algériens sachant qu'il reste sur une... Des illusions quand même, parce que tout le monde attendait l'Algérie euh, limite vainqueur de la carte. Parce que mine de rien, là, on, on parle beaucoup de... Enfin, L'Algérie va jouer avec une énorme pression, parce que ouais, le oui, public ouais, de Chakra, ouais, ouais, ouais. ça je peux vous le garantir qu'ils seront au rendez-vous. On l'a vu tout à l'heure, ils vont arriver à 13h, et ils... Ils sont déjà là, ils sont déjà là. Le public algérien, je pense, place. Non, non, ils sont déjà là. Mais tu connais, ils, ils ont déjà là. C'est une certitude c'est ça Oui, le public algérien sera chaud. Mais ça aussi a double tranchant. Parce que ce public-là s'attend... À, une, à un gros, gros match, surtout après la désillusion qu'il y a eu euh, à la Cannes, sachant que le, le public algérien était quand même était plutôt sympa avec sa sélection, mm. ce qui est rare, mm. habituellement très sévère. Les journalistes, non, mais le, le public, les, le, le, le peuple. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que l'aspect psychologique de ce match-là, pour moi, va être super important. Parce que pour autant, les Camerounais, je, je les ai trouvés super arrogants. Avant le match, on, se dit, je, je comprenais on dirait qu'ils allaient qu jouer une petite équipe de CFA2. Autant là, je n'ai pas envie que ça soit de l'autre côté, l'Algérie, le, 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 qui se disent Ah bon, on a gagné un 0 de l'autre côté, et que 1 0 à, à l'extérieur, limite on est déjà qualifié. Non, moi, la seule chose que je veux revenir par rapport à ça, et, et, et je pense que, que Wes, il, 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 il connaît, enfin, il sait ce que je veux dire, c'est que. Des fois, il y a des choses qui sont culturelles. Il faut pas prendre des fois les phrases de Vincent Aboubakar comme étant arrogante ou truc. C'est que qu'un Camerounais, même tu vas le voir dans le monde du travail, il est sûr de lui. Ah, c'est faire... vraiment ça. C'est pas forcément de l'arrogance. Euh, le Cameroun, pour lui, c'est euh, les lions indomptables. Et cette, cette, euh, cette image-là, c'est quelque chose que le peuple aime avoir. C'est-à-dire que si tu vas avoir Vincent Boubakar en conférence de presse et qu'il te dit Ouais, bah, on n'est pas sûr de pouvoir gagner. Je peux te dire qu'au pays... Oui, mais, ouais, mais il faire une réponse plus diplomatique. Euh, oui, après, ça Nathar, fait partie du... Tu connais du... ça, la diplomatie, ça fait... toi, en plus. <laughs> ouais, mais ça fait, Attends. Partie... ça fait partie un peu du, 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 de la culture du pays. Et, et moi, je te dis pas que il... c'était pas arrogant de toi, mais je veux juste te dire, voilà, faut, faut pas que l'essence soit trop, Les trop exacerbée. Ça fait partie de la culture du pays, et connaissant certains Camerounais, voilà, <laughs> la fierté, c'est comme ça, voilà, ça arrive. Ouais. Après, ça, ton, pour toi, ton petit pronostic pour ce match, euh, ce match retour Attention, là, t'as ouais, les deux J'ai de que des DZ moi, dans mon <laughs> équipe de vétérans là, euh, le dimanche matin, les gars. S'ils si me regardent, je suis mort dans le film. Hein. Non, non, non. Euh, comme a dit Nasser, moi je pense que là, les, les Camerounais se sont mis une balle dans le pied. Euh, et je pense que c'est euh, aussi du fait qu'il y a eu ce changement de, de coach. Donc euh, bah, toute la philosophie de jeu, tout est à remettre en question. Parce qu'il arrive automatiquement, faut qu il faut qu'il apporte un changement. Donc euh, le timing vraiment pas bon, vraiment pas bon. Et, et l'Algérie, elle, elle a elle là, elle doit, elle doit prouver. Pour moi, elle ne peut pas arriver sur ce match retour les mains dans les poches par rapport à ce qu'ils ont par vrai. rapport à la désillusion de, de la can, de, de ou que bien évidemment tout le monde les voyait euh, largement euh, vainqueurs de la can et que finalement euh, ça a chapeauté. Donc là, et, voilà, ils ont ils ont à cœur de se racheter aussi. Euh, tu joues quand même euh, une qualification pour la Coupe du Monde et et puis euh, tu parles de culture. Euh, les Algériens connaissent aussi euh, ah ouais, la, ouais, ouais. La, la, la culture que, que peut avoir euh, cette nation et, et je pense que c'est des valeurs ça qui mettront pas de côté en tout cas quoi. Donc euh, moi je vois je vois l'Algérie euh, gagnante voilà. En tout cas il y a Mediliesse dans le dans, dans le chat que j'embrasse qui a dit dire que l'Algérie est déjà qualifiée, c'est mal connaître le football africain. Ouais, Exactement. Ne croyez surtout rien n'est jamais fait en Afrique. Et justement, on a vu par exemple, a, là on a parlé d'Algérie-Cameroun, mais il y a aussi par exemple le match Égypte-Sénégal. La revanche de la finale de la Cannes. Oh, L'Égypte ouais. qui a gagné 1-0. Moi aussi, c'est un match. Alors, pourrais, on ne pourra pas tout regarder malheureusement, mais c'est aussi un match. Moi, ouais. je, moi, par contre, je suis un peu dégoûté que enfin que l'un des deux n'aille ouais, pas en c'est euh, alors il ouais. faut quand même rappeler que l'Égypte a gagné 1-0 donc sur ses terres comment vous voyez donc le match retour au Sénégal alors euh, en fait as... les Sénégalais il y a un piège qui se tend à eux nouveau stade premier match important etc tu vois et tu sais pour moi tout est une... on l'a dit tout à l'heure tout est une question d'approche il y a l'euphorie de euh, on a gagné la canne. Et c'est totalement mérité, il n'y a aucun problème. Par contre, psychologiquement, pas facile à gérer. Tu viens de gagner la canne. Le peuple, ouais. il, est, il, est, il, est, il est sur il un est, nuage. Il est sur un nuage, mais tu es à deux doigts peut-être de connaître une désillusion dans ton nouveau stade, pour le premier match officiel. Et ça, forcément, ça peut peser dans les têtes. Donc pour moi, le, le gros boulot euh, d'Aliou Cissé... Ça va être sur l'approche du match. Et toi, ouais, tu penses que tu penses que qui va se qualifier du coup Comme Nas, tout comme pour il faut se mouiller. Faut se mouiller. J'ai peur pour mes frères sénégalais. Tu penses ouais. que c'est la bonne pour année pour les pour les, pourquoi, les pour les pharaons C'est pourquoi j'ai peur pour mes frères sénégalais. Les Égyptiens, ils gèrent très bien la pression oui. et surtout ils savent faire déjouer et ils mènent d'un but. Ça veut dire que d'entrée, tu connais le bus, ils savent le faire. Euh, les l'intox, le... sortir du match, le public s'impatientera, les joueurs vont s'impatienter, et, et vraiment cette approche là, pour moi, elle va dans le sens de l'Égypte. Nasser, que mon pense avis. Quoi Nasser parce que Nasser, l'ascenseur émotionnel serait quand même archi compliqué si t'es champion d'Afrique et que tu vas pas au mondial. Bah écoute, on, euh, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. La confirmation est toujours très compliquée. Exactement. Maintenant, personnellement, tu sais. Comme on a dit, c'est très difficile de, de revenir après, une, après un sacre. Et moi, j'aime dire, et je pense, et je, je suis je, je, franchement, que c'est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée au Sénégal de perdre ce premier match pour retomber justement mmh, mmh. et se mettre justement. Attends, tu penses que c'est un mal pour un bien C'est un ouais. mal pour un bien au, au final parce que tu peux gagner, tu vas gagner en Égypte, tu peux te retrouver dans une situation où au Sénégal, les joueurs se disent on est qualifié, c'est ah, bon, on a gens. gagné là-bas, on a été champion d'Afrique il n'y a même pas quelques mois. Et au final, le, 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 le piège peut se refermer. Mmh. Là, le fait de perdre justement là-bas, allez, tous les joueurs commencent à se dire attention, on est certes champion d'Afrique, mais à force faire attention, on peut aller sortir, on peut aller so euh, justement battre l'Égypte, parce que au niveau aussi euh, 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 émotionnel, on a quand même gagné contre eux en finale, on a quand même des, des forces à jouer. Et encore une fois, moi, j'espère et je pense que, je, pour répondre à ta question, je vois le Sénégal gagner et je pense vraiment que c'est la meilleure chose qui ait pu leur arriver pour retomber aussi vite parce que pour gagner quand on gagne une compétition ça prend du temps pour redescendre mmh. et là ils sont sur un match coup près et c'est sur un match sur un match c'est vraiment intéressant c'est la meilleure chose et je pense que voilà je, mets, je mettrai ma paix sur le Sénégal Price moi j'ai une question un peu plus d'ordre général est-ce que tu trouves pas ça quand même enfin dramatique que pour le par exemple que pour le continent africain par exemple là on va devoir se priver ou de ou de l'Égypte ou du Sénégal et la Côte d'Ivoire par exemple qui n'a pas été qualifié il euh, y aura ou l'Algérie ou le Cameroun et on voit d'autres équipes plus exotiques qui elles sont qualifiées dans des voilà dans des confédérations un peu plus claquées. Est-ce que tu penses qu'on manque pas un peu de respect au football africain sur ce mode de qualification Ce bah. qu'a dit d'ailleurs Ougolioris euh, voilà, Quand tu lances je je, euh, après, je suis parfaitement d'accord sur ce sujet. Hein. Euh, pour moi, il n'y a rien de de juste, enfin d'impartial en tout cas au niveau des, des qualifications. Euh, après, bah, malheureusement, on ne maîtrise pas tous les sujets, on n'a pas notre mot à dire sur tous les sujets. Et, euh, et c'est comme ça actuellement. Mais oui, je pense qu'on qu se prive d'un beau football. Et après, c'est facile de dire oui, on bah, ne verra jamais un club africain, un champion du monde ou autre. Mais déjà, on ne leur reste pas spécialement la chance. C'est ça. Tu mmh. vois euh, et, et pourtant, le football se développe très bien. Le football se développe très bien. Et, ouais, je je... Le, le, le footballeur africain s'exporte très bien aussi. Ouais. Ah, il s'exporte très, très bien. Ça, il s'intègre très rapidement. Il s'exporte très bien, si on est d'accord. Et. Okay. Moi, je trouve qu'il y a énormément de qualité. Maintenant, oui, c'est sûr que au niveau, c'est pas juste. Non, non. non voilà, c'est hum. pas juste. Après, je sais pas, je sais pas. Touche blé qu'il faudrait revoir <laughs> la là, qualification. Il pourra... Mais après, là, euh... bon, ils vont rajouter des pays africains pour les prochaines coupes du monde, mais il y a 70 millions. Hein. Ouais. Mais je trouve que voilà, là, moi, franchement, souvent, on se dit « ouais, voilà, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un club Afri... une équipe africaine qui arrive en quart de finale, demi finale Mais c'est vrai que si, par exemple, tu fais affronter les meilleures équipes africaines en barrage. C'est déjà voilà. compliqué ah, de, oui. de, mais... de, de pouvoir voilà lutter à armes égales en, en Coupe du Monde. Non, je suis d'accord. Mmh. Moi, je suis d'accord là-dessus. Maintenant, euh, donc, c'est quoi Est-ce est que c'est voulu Est-ce que c'est pas voulu bah, Je pense que ça, oui. c'est un ah, débat qui est compliqué. Est un débat qui pas est compliqué, mais mais, juste, mais, sont, mais ouais, moi ouais, je pense que ouais. alors là je je, je mets un... je pense que c'est à cause des fédérations africaines parce que les fédérations africaines tout le monde veut les acheter parce que elles sont le, le, le continent africain comporte le pays le, le plus grand le nombre de, de pays votants. sur les sur les continents donc en fait c'est à cause de dirigeants africains corrompus qui arrive ça ouais, parce ouais, qu'en ouais. vérité vu le nombre de votants eux qui sont on pourrait mettre le, le, le continent africain pourrait mettre la pression pour bien pouvoir sûr, avoir plus sûr. de représentants donc encore une fois c'est bien beau toujours de se victimiser mais il faut aussi voir que nos propres responsabilités il faut que le football africain se regarde droit dans les yeux, qu'on soit dans l'organisation de la Cannes, mais aussi dans tout ce qui est, sont sûr. les instances, etc. Donc Bien je pense qu'on a aussi notre rôle à jouer, que le football, aussi, le, fo le football africain devrait se regarder droit dans les yeux et arrêter de... de, voilà, de... Après, Amine, la, la CAF, après, bon, on va, on va, sinon on va s'égarer par ouais. rapport au débat, mais euh, si tu creuses, la CAF, c'est une, une, une province de la FIFA. À la CAF, tu que les petits à j'ai oublié son nom le, le voilà as... que c'est petit c'est ça aussi le truc c'est ça tu vois c'est que derrière euh, lui en échange il donne ce qu'il veut donner voilà et, et on on se je concentre tenais. pas sur les vrais problèmes mais pour continuer par rapport à ça pour parler aussi des autres matchs, il y a donc Congo Maroc tu vois Congo Maroc qui il va être aussi qui va qui va parce que les Marocains ouais, ils, ouais, ont, ils ont raté un Il faut savoir que les exact. Marocains ont raté un pénalty. Ouais. bon il y a eu un partout ils ont mis le but à l'extérieur mais eux aussi ils vont ouais. avoir la pression surtout je pense Vahid ah, parce que Ziyech donc arrêter la sélection à cause de lui. Il y a d'autres joueurs qui ont refusé la sélection. Moi, je pense que là, est-ce que vous pensez vraiment que là, ça va se jouer aussi dans, dans, dans les têtes C'est plutôt le coach qui a plus à perdre que... Mais tu as même des anciens joueurs là qui parlent... Euh, des anciens joueurs, euh, des anciens internationaux marocains qui parlent très mal de Wade, qui disent qu'en gros, euh, ce sera la victoire du peuple ou des joueurs, mais pas sa victoire à lui. Donc il y a il y, y, y a une grosse pression sur. Bah bon, tu penses que Vaïd s'est trompé dans la gestion de certains je, de ses joueurs Non, je pense que c'est je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Euh, je, je pense que le Lynchal il peut se faire euh, déjà en off. Ouais. Mmh. Et je pense que les joueurs, en plus c'est des anciens joueurs qui ont des noms et tout ça. Tu peux parler de Vaïd après qu'il soit parti. Aujourd'hui, quand tu mets une tu fais une déclaration contre Vaïd, même si as une envie, tu penses qu'il a fait un mauvais choix. Je pense que tu aurais pu attendre euh, qu'il soit plus peut-être le coach et faire des débats. Donc pour toi, et... c'est des ennemis de l'équipe nationale, ça. Alors, le fait de dire... Ce ne pas des ennemis, je ne vais pas mettre ces mots-là parce que j'ai pas envie d'exercer l'essence. mais je trouve que c'est... Je... Je difficulté... je non, Non, <laughs> tu vois ce que c'est de mettre en difficulté ta, 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 ton, ton sélectionneur et ta sélection qui l'est déjà. Aujourd'hui, euh, Vaïd, il y a tout, tout, tout le monde entier sait qu'il y a un problème euh, avec... Euh... Et ce qui est marrant, c'est que le Maroc, c'était pendant la, la Cannes... Peut-être le, le groupe le plus, euh, le plus cool et le plus. On a vu pas mal de scènes de liesse, ouais. euh, Vaïd avec ses joueurs, avec Bouffal qui s'enlaçait et tout ça. C'est fou, hein. Et, 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 le et revirement a, de. Un mois après, t'as le, le limite, t'as l'impression que tout le monde veut qu'il qu qu parte. C'est la pression de la qualification, je Et, et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais en commençant ma, 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 mon, mon allocution qu'on est dans un continent d'émotion. Et c'est peut-être mm. ce qui nous joue le plus de, 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 de tours aujourd'hui. Donc. Euh, ça va être un match très compliqué pour le Maroc, mais j'ai vu ce qui s'est passé aussi, euh, qui était un peu désolant euh, à la fin du match. Ça va leur donner aussi une motivation euh, supplémentaire qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Tu euh, parles de quoi, Nasser euh, Bah voilà, il y a des joueurs qui ont, eu, qui ont, qui ont subi pas mal de... de, de, de à ce qu'on a vu dans les images, pas mal d'agressions des, des journalistes et des joueurs aussi à la sortie du match. Euh, encore une fois, je pense que ce n'est pas des choses qu'on aime voir parce que, voilà, ça reste un match de football, les gars. Euh, si tu veux battre une équipe, c'est sur le terrain. Tu veux te qualifier, c'est sur le terrain. Bien sûr qu'il y a de la frustration, mais euh, il y a de la frustration aussi en club. Et voilà, je pense que le Congo avait besoin de jouer, de jouer son match et de le réussir sur le terrain. Aujourd'hui, ils vont donner peut-être de la motivation à, euh, aux, aux joueurs marocains parce que c'est un peu une injustice ce qui s'est passé. Ce que je, je, je condamne totalement les violences, qu'elles soient d'un côté comme d'une autre. Mais voilà, ce que je te dis, c'est que je pense que. Ce, ce pays et ce groupe n'a pas, pas besoin de ces, tous ces trucs négatifs qui sont autour. Ils peuvent attendre. Pense, après, en fait. il nous reste les confrontations. Il restera quoi Mali-Tunisie, je pense quand même que la, la Tunisie est en ballottage plus que favorable. Là, ils vont recevoir le Mali à la maison en ayant marqué un but à l'extérieur. Ah ouais, c'était pas d'accord avec ça. Tu non, vois, nos amis suis, maliens. Je... Euh... Non, en fait, j'ai suis... regardé aussi un petit peu le match. Et euh... je rejoins ce que tu dis. En fait, le, le défenseur malien, c'est Sissako, ouais, je crois. Moussa, qui a but je sais le voilà. je, peux, je peux dire juste un truc avant. Vas -y, vas -y. Donc, juste sur ça, deux secondes. Je voulais donner une grosse, grosse force à Moussa parce que c'est un petit que je connais énormément. Euh, voilà, ce qui, ce qui lui est arrivé, ça arrive à beaucoup, beaucoup de, de footballeurs. Ouais, euh, bon, après, heureusement qu'il qu n'est pas colombien. Quoi. Est un, c est, c est... Non, même, <laughs> mais euh, justement, tu dis ça. Euh, le peuple malien, euh, bien sûr qu'il y a des déçus, il y a des supporters qui sont déçus, mais il a été. Euh, de, je sais de source sûre que des joueurs comme Kanouté l'ont appelé pendant des heures. Okay. Euh, enfin, pendant hmm. plusieurs minutes et même une heure, euh, que ce soit des joueurs importants, les, les, euh, les supporters, et je voulais aussi les remercier, euh, ont aussi applaudi Moussa pour, le, pour, le, pour aussi euh, l'aider dans, 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 cette, dans cette épreuve. Et le sélectionneur qui dit que même si s'ils avaient su que Moussa allait faire cette, cette erreur-là avant le match, il l'aurait titularisé. Je voulais juste finir sur ça. C'est quelque chose qui arrive et c'est un très, 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 très gros joueur okay. et il va ressortir. Il va bon, ouais. mais c'est pour ça que je voulais. Du coup, moi, je voulais. On va répondre. finir, ouais, on va finir je cette phrase-là. Là. Juste, ouais, justement, ouais, le... j'ai vu. Ce... Pour moi, le Mali, il... c'est une motivation supplémentaire. J'ai vu leur réaction, tu vois, suite à enfin, ça. Parce que, que c'est très... dur. Ça, ça, fait ça fait faisait, faisait 3-4 sélections, hein. ça fait pas longtemps qu'il a appelé. Ouais. C'est dur. Tu vois, tu mets une passe pleine axe, c'est dur. Et j'ai senti vraiment un sursaut. Des, des maliens pour le ça les a et tout voilà et je pense que ils vont ils vont faire le max pour aussi voilà c'est pas si que ça quoi, voilà je trouve okay. que c'est ça reste sérieux. comme on l'a dit tout à l'heure c'est l'afrique ça reste bon, en tout cas les gars on verra ça demain hein. qu quoi qu'il ouais. arrive que le meilleur gagne le meilleur surtout c'est l'algérie les <laughs> <laughs> blagues à part non, mais blague à part, que le meilleur gagne, on verra demain. On espère surtout qu'un pays africain arrivera au moins à faire bonne, bonne figure au, au oui, Mondial. Déjà. Et voilà, on a tous voilà, envie que ça, que ça se passe bien en 2022 au Qatar. Et euh, voilà, on verra quoi. Mais demain, quoi qu'il arrive, restez pistes, les amis. C'est <laughs> vraiment le oui, message. C'est important. Que ce soit sur les réseaux, parfois je vois des trucs. Les gars, pour du foot, ça non, part du football, en cacahuètes. Ça s'insulte, ça, 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 ça se bagarre, ça se menace. Ouais, les gars, c'est du football. Et quoi qu'il arrive, je resterai pote avec West, sauf. C'est une dinguerie d'arbitrage, évidemment. Vous <laughs> Déjà, Déjà, Amida, a mis un snap. Ouais, la lumière au Cameroun. Nan, nan. Bah, Amida, tranquille. Je ouais, rien dit. Mais, non, mais par contre, ouais, ça. As vu, je ne voulais pas rentrer dans les polémiques. Mais cette histoire d'éclairage. Mon gars, il n'y avait plus de pile. Euh, ah oui, il n'y avait plus de pile. <laughs> Clairement sur, sur Raïs Mboli. <laughs> en tout cas, voilà, on verra, on verra demain soir. On vous montrera les screens des conversations entre Wesley et moi pour vous montrer qu'en fait, il n'y a que de l'amour. Et là, on va passer à un autre sujet. Un sujet que j'ai trouvé plutôt intéressant par rapport à l'élimination de l'Italie. L'Italie est sortie contre la Macédoine du Nord en barrage. On voyait tous, on pensait tous qu'il allait avoir la finale. Italie-Portugal pour les barrages. L'Italie est sortie. Lors du dernier euro, l'Italie était quand même champi championne d'Europe ouais. en titre. C'était ouais. il y a neuf mois. Hein. Lors du dernier euro, la France, championne du monde en titre, sort contre la Suisse. Euh, L'Algérie tenant, de, 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 tenant en titre de la, de, de la Cannes sort en poule. Moi, je voudrais te poser une question simple, Price. Hein, si on va aller directement droit au but. Comment tu expliques le fait que des tenants de compétition, juste après, sortent très rapidement d'une compète ou ne se qualifient pas pour une prochaine édition on, on refait un peu le point sur, sur le sujet d'avant et, et les pays africains et là les, les pronostics qu'on voudrait faire. Le football, c'est le sport le plus incertain. Voilà Donc, euh, euh, bien sûr que je pense que à part l'équipe enfin, euh, adverse, euh, il n'y a qu'eux qui se voient gagnants. En fait, ce que je veux dire. Sinon tout le monde voyait l'Italie passer. Ça c'est une évidence. Maintenant le, voilà, le football c'est comme ça, c'est le sport le plus incertain. Maintenant euh, pourquoi après des grandes compétitions, franchement j'ai pas pas spécialement d'explication. Moi je dirais plus qu'il il y a plus de petites équipes en fait. Il y a plus de petites équipes. La preuve hein, quand on voit la, la, la Macédoine ou après voilà on va dans les pays asiatiques, les pays africains. Enfin, là, on, veut on veut toujours dire qu'il y a des petits pays. Comme, comme, Donc, pourtant, il n'y a plus de, le, y a... la notion de petit pays. Le football, c'est homogénéisé. Tu as, as, as toujours des, des pays qui sont plus limités que d'autres, certes. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, quand déjà tu es en barrage, déjà, même si c'est la Macédoine du Nord, si elle en barrage déjà, c'est qu'elle vaut, elle vaut, enfin, mérite d'être ici. Donc, respectons-la. Et, et, et elle a été gagner son, son match, elle a gagné ses qualifications. Et, et aujourd'hui, bah et elle pourquoi tu même. penses qu'elle peut éliminer le Portugal bah là, dans l'euphorie dans laquelle elle est, moi je pense qu'elle peut aller chercher quelque chose. Maintenant, c'est ça va être encore une fois de une gestion des émotions euh, parce que l'euphorie, elle est, elle est, elle est bien, elle est bien si elle est maîtrisée. Maintenant, ouais. euh, oui, si tu gères pas tes émotions dans ces genres de matchs-là, tu peux, par, par contre, tu peux ressortir avec une valise, ouais, ça. Vois Mais ça serait bien d'avoir une surprise. Ah, ça serait tôt, bien. Tôt, moi, j'aimerais bien. Ça serait pour, que que pour la Macédoine. là. Ouais, parce que bon, je n'ai aucune attache avec le Portugal, <laughs> tu vois. T'as pas l'amis qui regarde dans le chat, quoi. Non, je le Si, j'ai des amis, mais bon. Ils je... sont plus dociles, ce là Ils sont moins dociles. Voilà. Eh, <laughs> a... a... <laughs> <laughs> non, mais voilà, On a des amis dans toutes les nationalités. tu vois. C'est juste pour la beauté du football, en fait. Moi, j'aime, comme là, quand on voit la Coupe de France, ou qu'on a des petits clubs qui viennent se qualifier. Pourquoi ça ne se verrait pas sur la Coupe du Monde, tu vois Enfin, sur les qualifications ou autres. Pour moi, voilà, chacun à sa place. Et, et aujourd'hui, il n'y a plus de petits pays. Il n'y okay. en a plus de petits pays. Et voilà, Enfin, moi, chapeau à la Macédoine, en tout cas. Euh, et puis voilà, l'Italie. Euh... L'Italie, moi, j'ai un peu de mal avec cette nation. J'ai en travers la gorge. Bah, ah, C'est bien chose, si, si, donc, tu vois, sûr. Euh, <laughs> sûr. Euh, même si, si j'ai du sang du rital. Le... Euh, assez lointain, mais euh, j'ai un peu du mal avec cette nation footballistiquement parlant, je veux dire. Tu vois, donc, euh, donc, ce qui leur ça ne m'a pas, dé pas déçu. Je pense que si je regarde le match et que je vois le but de la Macédoine, je <laughs> poussé à la chasse. Nasser. Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de Price Est-ce que pour toi, c'est la principale raison, parce qu'on ne peut pas oublier aussi l'Allemagne, qui était championne du monde en 2014, et en 2018, oui. ils sortent au premier tour Est-ce que pour toi, c'est -ce vraiment comme Price, le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes Ou alors, c'est d'autres facteurs qui expliquent que le tenant du titre n'arrive pas à confirmer euh, juste après avoir gagné un, une grande compétition. Bah moi, je vais, je vais être un peu, je vais aussi euh, dans le sens de Price, où, où les équipes, le niveau se resserre de plus en plus, mmh. mais aussi, euh, c'est comme dans un gros vestiaire. Euh, pour moi, quand tu sors champion d'une compétition, c'est comme dans un gros vestiaire. Si tu as un gros salaire, tu as les bons côtés, mais tu as les, les côtés les plus, on peut, entre guillemets, les plus négatifs. Quand tu, une petite, quand tu vas être champion, je m'explique, quand tu vas être champion, toutes les équipes veulent te battre. À partir du moment où tu as gagné la compétition, tu vas jouer contre la Macédoine ou tu vas jouer contre euh, tes concurrents directs, tes l'équipe à abattre. Ouais, mais de... j'entends ce que tu dis, avant de te laisser développer, je te laisse laisser développer. Mais par exemple, là entre l'Italie, champion du monde quand tu regardes juste les joueurs, même qui sont sur le banc et la Macédoine du Nord, c'est pas une salade complète. C'est une salade juste voilà Macédoine du Nord. Si tu m'avais laissé terminer, c'est là où c'est là où je voulais en venir. Mais je te laisse terminer, Merci Amine, C'est gentil, c'est trop gentil franchement. Mais en vrai, si je te cette étiquette là, elle est bien pour l'adversaire, mais elle aussi, elle peut être une tarte pour le champion parce que pour les italiens je peux te dire que pour eux en étant sur le terrain le match il était peut-être déjà fini d'avance et en plus ils avaient 14 tirs la macédoine ils en ont eu je crois c'était deux ou trois donc aujourd'hui en tant que favori et en tant que grosse nation qui vient il y a même pas 6 mois de gagner une compétition tu rentres dans certains matchs comme la macédoine la salade du nord comme tu veux tu, tu l'as dit bah pour toi malheure... malheureusement pour les italiens aujourd'hui peut-être heureusement pour certains mais ils sont rentrés sur le terrain en disant c'est sûr qu'on va jouer contre le Portugal. C'est ah suffisant. Bah le... Nasser, mm -hmm. Nasser c'est différent de ce que dit Price. Price lui, si tu me dirais si je me trompe. Price dit lui... Il y a moins de différence entre les, entre les équipes aujourd'hui. Le niveau est un peu plus homogène. Toi, tu me dis c'est un problème mental, c'est-à-dire que les Italiens ils sont arrivés en excès de confiance et que du coup, c'est ça qui a, non, qui a joué. Est-ce que c'est un excès de confiance Il l'a ou... signifié au départ, il l'a dit. C'est ça. Mais... Tous, les, tous, les, tous, les, tous les, <laughs> les niveaux se resserrent. Tous les niveaux se resserrent. Mais vrai, si tu arrives avec un côté insuffisant et puis que as l'autre qui veut abattre bah, le, le champion du monde, automatiquement, bah, la balance elle se rééquilibre et à la finale, bah, ça se fout, fin, Pour moi, tu refais le match dix fois, l'Italie elle passe. Juste moi, je vous dis, Price, il doit être euh, dans les instances. Il a son tableau, il a tout noté. Tu vois, il n'a pas besoin que je répète. Il a noté ce que j'ai dit et il l'a il redit directement. Je vous l'ai dit, Price, il doit être dans les instances. Wesley, bah, comment j'analyse ça Tu sais, moi, comment j'analyse ça euh, Quand une équipe. Moi, le, le problème que j'ai avec les équipes qui gagnent, c'est qu'à un moment donné, forcément, quand tu es coach, et ici on, si on l'a tous vécu, peu importe le niveau, quand tu es coach, joueur, peu importe, quand tu fais, que ce soit une épopée en Coupe de France une épopée en coupe euh, du 93, peu importe, les liens qui se créent dépassent le football. Okay. Tu vois, à ce moment-là, les liens qui se créent dépassent le football et balayent doucement l'autorité. D'accord okay. Les liens qui se créent, voilà, donc ça balaye doucement l'autorité. Et après, pour concerner ton groupe à nouveau, tu vois, si par malheur, tu es légèrement favori, bah, là où tu pouvais aller piquer certains joueurs par rapport à certaines perfs, Là, tu, tu vas aller piquer un champion d'Europe. C'est-à-dire qu'il faut lui parler différemment. Tu vois, y a, oui, son tu vois, y a Il y, y a des statuts qui ont changé. Et je trouve que souvent, les coachs échouent dans ça. Par exemple, on a un moment, on a, on a parlé. Là, si tu prends l'euro de la France, on a parlé de Mbappé, ouais, on laisse tirer les corners, il fait les touches, ici, ça. Tu vois ce que je veux dire mm. et, et je trouve qu'il y a beaucoup de coachs qui se loupent à ce moment-là. Et en fait, souvent, tu prends la France, 2002, l'équipe qu'ils ont. C'est énorme. Waouh! Ouais. Wow. Mais à ce moment-là, les statuts des joueurs dépassent le staff. Oui, vrai. Tu vois ce que je veux dire Et j'ai l'impression que là, si, tu, si on, on, on se concentre sur l'Italie, pour moi dans l'approche du match, il y a eu des ratés. Tu vois pour À moi, quel dans niveau le... Non, dans l'approche la, bah, du match, il y a eu des ratés dans le sens où forcément, et je pense que c'est humain, des champions d'Europe, tu joues la Macédoine à la maison, donc. Il y a un alignement de planète. Mais pour moi, à ce moment-là, il doit y avoir des euh, comment des décisions fortes. Quand tu es coach, tu, dois, tu sais que ton, ton groupe il va s'endormir. C'est humain. C'est humain. Tu es l'Italie. Tu reçois la Macédoine du Nord en Italie. Et tu sais que derrière, il y a le Portugal. Je pense que même les joueurs il se, le se Projeté sur le Portugal. Et ça, en tant qu'entraîneur, c'est un truc que tu dois voir. Tu vois et alors, je dis pas que fallait enlever, euh, fallait enlever n'est C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, dans la préparation, il n'a prépa pas fait le job. Parce que les joueurs, euh, en rentrant sur la pelouse, ils doivent pas. C'est pas la Macédoine qui doivent voir. C'est la Coupe du Monde. Et pour moi, les joueurs, ils jouaient contre la bah, Macédoine. Non, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, ce, ce qui est super important, dans ce, dans, de, 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 ce que vous, de ce que je décèle, de ce que vous dites, mais dans ce cas-là, là, on parle sur un match coup près. Mais ouais. par exemple, l'équipe de France, on, à l'euro, c'est 4 matchs. Hein. Ouais. L'Algérie, c'est 3 matchs. Ouais. L'Allemagne, c'est 3 matchs. Ça veut dire que le groupe, il y a quand même, il a quand même des staffs mmh. qui sont quand même compétents, parce qu'ils ont gagné mmh. avant. Ça veut dire qu'il y a quand même une difficulté mentale. Qu'est-ce qui se joue Alors, en fait, j'aimerais bien comprendre où -ce que la, tu la, que as la, ce sujet-là. Ou la... Nasser, d'ailleurs. En fait, je trouve que ce qui est compliqué, c'est que tu as toujours la sensation, quand tu viens de gagner, que ça va passer quoi qu'il arrive. Okay. Tu as toujours la sensation de te dire... Ah ouais, c'est comme l'autre match, ça va passer tranquille. Mmh. Parce qu'on a la qualité pour le faire. Sauf que plus le match il avance mmh. dans le temps, plus tu t en, t es en train de te dire mais en fait, on va peut-être se faire éliminer. Et tu as des gens qui se crispent. Le football, comme dans tout, c'est de l'émotion, l'émotionnel. À un moment donné, tu as beaucoup de joueurs qui vont se dire. Et pourquoi l'émotion on a serré ce soir Parce que le football c'est de l'émotion, ça nous provoque. Toi aussi t'es comme Wesley, t'as un cœur sensible. Il est plus égoïste, il est sly, on a un échange. sly. Attends, vous êtes passé de rock, de soprano, vous êtes passé à sly. Ça va faire des petits balles maintenant. Il était sur tropical, c'est ça. J'étais là, je crois. Il y a eu un délire parce que. C'est comme ça que tu m'as appelé, tu m'as dérangé. Tu m'as dérangé, j'ai. Oh, il y avait sly parce que je vois ça là, frérot. tout à l'heure, tu me parles de sentimental, bon, d'émotions cha... Je suis dans son chazal, là. Ouais, ça, je pense que, là, que ouais, non. Il, il, fait... il a dit du... Attends, on va aller dans cette DM, surtout à mon avis. <laughs> on va pas aller, sur... on va aller dans les DM de Nasser. Oh, laisse le problème, Là, <laughs> ouais, je t'ai mis d'ordre, Là, il est 23h. Je dire ça. C'est J'ai le temps de faire. J'ai le temps de faire. sortir les <laughs> <t 'es rire> excuses Avant 23h, c'est fini. Après, est déjà close. Ouais, je suis pas Nasser. Hein. Moi, tu me parles de sly. Euh... Non, je parle beaucoup d'émotion. Pour revenir un peu au sujet, moi, je pense vraiment que c'est un état d'esprit quand tu viens d'être champion pour toi ça va passer pour toi, ça va... et plus le match est dur et que ça passe pas plus tu continues à douter mais l'équipe qui est en face de toi ils sont en train de se dire au contraire mm -hmm. hey, mais attends nous on va le faire nous parce que eux on, ils, tu vas le voir Wesley le disait tout à l'heure aussi euh, par rapport à Deschamps et son message il y avait beaucoup de gens qui ont dit hey, mais Didier Deschamps euh, on a l'impression que son message il passe pas dans le groupe mm -hmm. mais les gars le mec qui est en face de Didier Deschamps je peux dire que le coach qui a de la Suisse à ce moment là où les joueurs ces, ces genres de détails-là, ouais. tu le vois. Bien sûr. sûr. Tu les, tu les vois Bien parler. L'œil moteur de Wes. <laughs> et de Weser. Tu, 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 tu les vois parler et tu te dis, il eh, y a quelque chose qui est en train de se retourner. Donc ouais. il faut qu'on en profite maintenant. Parce, qu a parce que peut-être qu'on n'arrivera peut-être pas à le faire euh, plus tard. Et moi, personnellement, je le vois comme ça. C'est juste des, 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 des. Encore une fois. C'est un, des, des émotions. C'est <laughs> des qui sont passées qui, font, euh, qui créent ces genres de choses-là. <laughs> bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup pour ces débats-là. Je pense qu'on a bien, voilà, on aura le temps de... Dans les prochaines émissions, on réinvitera Price qui viendra nous parler de Nasser. Peut-être ah, que, que Nasser sera encore dans l'émotion, on ne sait pas. Dans... Est-ce que Génard va être un peu plus Scorpdur <laughs> <'est> Ah, on ne sait pas. Est-ce qu'il sera plus DZ ou un peu plus Timal Est-ce qu'il va choisir son camp On peut faire les deux. Exactement, exactement. Ah Nasser, l'homme complet On ah va ouais. terminer par le quiz de la famille. Et là, encore une fois, comme on est trois, on va jouer de manière individuelle. Et on va commencer par le Take Ball. Le Take Ball Prize, c'est très simple. Je vais te donner une composition de match. Enfin, je vais vous donner une composition de match. Qui est un match que vous avez tous vu ou que vous connaissez tous. Il va falloir me sortir, un par un, les 22 titulaires. Et il faut surtout pas répéter le nom que l'un de vos coéquipiers a dit. On va commencer par un match très simple. Je ne vous ai pas pris en traite, les gars. Pendant le film, moi, je suis les noms, moi. <rire> <rire> Allez, ce que je... Lequel je, par lequel je commence Je commence. Allez, on va, vu qu'on a parlé de la Coupe du Monde, on va revenir sur la finale de la Coupe du Monde 2018 France Croatie. Oh. Qui veut commencer Honneur à l'invité. Un par un, un joueur par jour, les 22 titulaires de la finale 2018 France Croatie. Price, tu peux commencer. Doris, Doris, il y est. Hernandez. Alors non, c'est oh. un par un. Doucement. Hein, oh. Un par un. Doucement. Attends, Il m'a pas donné toutes les consignes, tu vois C'est vrai, j'ai pas été assez précis. Tu sais, il faut ouais. les exposer directement, c'est un joueur, il ne comprend pas. Alors, il a dit Lloris. À toi, Nasser. Kylian. Kylian. Il n'y est pas. Non, je rigole. <laughs> West. Olivier Giroud. Olivier Giroud, il y est. Price. Je, fais, je peux faire les deux pays. Hein. Non, tu fais juste… Tu peux passe. faire les deux pays. Ah, oui, oui, tu peux faire les, pays. Ah, les deux pays. Oui, 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 Modric. Oui, oui. Modric. Modric, bien sûr, le meilleur joueur du monde. Lucas Modric. Incroyable. Rakitic. Rakitic. Oui oui oui, 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 oui. Oui, il y est. West. Benjamin Pavard. Oui, malheureusement, il y est. <laughs> Price. Pogba. Ouais. Polo, la Quatre pioche. Tiochi, mm -hmm. il a marqué. Non, un peu le quatrième but, c'est. C'est Mbappé, ouais, c'est le troisième but. Marage, but euh, Polo, Nasser. Raphaël Varane. Varane, il y est. Antoine Griezmann. Grisou sur penalty, Il ouais, y est. Pénalty contestable. C'est ça. Canté, Canté. Avec sa gastro. Ngolo Kanté, il est. Euh, Perizic. C'est nous... le, le deuxième nom que je connaissais. <laughs> ah, C'est <crois> ouais, <laughs> <c> <laughs> moi. Je voulais que <laughs> tu le croises. <-t> On va le garder pour un verre. Perizic, il est. Non, non, non. Difficulté. Non, non, pour un verre, t'as du mal à dire Hernandez. Yassi te l'a donné. il. Ah, ouais, <laughs> <c> tu. <'est rire> <non. C 'est rire> ah, il l'avait <laughs> dit Ouais. Non, mais il l'a dit. Il pas confirmé. Price. Il y en a d'autres quand même les gars. On n'est pas encore dans les trop trop compliqués là. Putain. T'en nice. cherche. Hein. On va faire un petit décompte. <laughs> oh merde, c'était qui le central là, avec l'équipe de France ah, ah. ah. Souviens-toi Vegedream. VG wow. ah, Vegedream. I Amine mean, wesh. Le premier, mean, euh... le premier joueur. <laughs> c'était par Vegedream. J'aime pas suivre Vegedream. <laughs> Je suis pas devant la télé. De ça. Un... Cinq, <laughs> euh... quatre, euh, Kimbembe. Ah, non. Il est à après non. dans la chanson. Ouais, ouais. Maestro Kimbembe, c'est après. Ah oui. Nassar. Samuel Um Titi. Qu'est-ce la démarche ouais. J'adhère pas un Gamin Nasser. <laughs> Wesley. Euh, on a dit. Là, elle est en train de faire ah, toute la chanson dans sa tête. Non non pas voir. Ah ouais. Mais la musique je l'ai plus moi. Il y en a, Wesley, pourtant c'est pas compliqué. Il hein. y en a encore des faciles. Après, ça se corse un peu. Mais il a des simples encore là. Wesley, 5, 4, Putain, attends, là, Merde. 3, tu 2, 2. mais oh. oh, Nasser, là, tu as sur un Subha, plateau sous Basic. Ah, tu veux même pas voulu. Su tu veux sortir sous Tu veux sous Nasser lui, a gagné, ouais. on l'applaudit. Ouais, c'est bon. oh, ouais

Versalco okay. Voilà <laughs> Allez on va, un deuxième On a le temps un peu de, de, de se rattraper Un plus simple aussi On va voir si vous êtes Des, des bons compatriotes France-Côte d'Ivoire De vendredi dernier Putain je l'ai pas vu le match moi. Nasser Hugo Yoris. Hugo Lloris Donc Comment c'est simple Il y est Titulaire hein, Les titulaires Les ouais, titulaire. Titulaire, ouais. 22 titulaires. Olivier Giroud Olivier Giroud Il y est La photo La photo Price J'ai pas vu le match La photo La photo <laughs> as vu la photo tout à l'heure Tu en ai mis tu as mené, Tu as Méni il... Hospitalité, c'est une fois. Eh. La pause, ouais. la non, 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 après, c'est. Après, la Après, c'est la table. On est dans le partage quand même. montrez bon, vas-y. C'est un ça C'est à ça. Ça, moi, c'est à moi. Kinsley Coman. Kinsley Coman. Il y est. Oui, oui. Price. Wesh. Non, ça va aussi. Hospitalité x2. Wesley. Nicolas Pépé. Nicolas Pépé, buteur. Effectivement. Price. Il oh, y en a qui sont simples en équipe de France. Hein. Griezmann Bien sûr. Antoine Griezmann, titulaire. On en sent qu'il est dans le hasard. Là. Non, non, non. <laughs> non J'essaie de remettre les images que j'ai regardées. Nasser. Théo Hernandez. Théo Hernandez, bien sûr qu'il y est. Wesley. Serge Aurier. Serge Aurier. Il y est. Capitaine, frère. Price. Des faciles équipe de France. Putain. <laughs> en défense. Oups. Il y a le décompte. <laughs> tic tac, tic-tac. Euh, L'autre irlandaise. <laughs> Putain, je les ai vus sur une action Putain. en plus. Hein. Je les ai vus sur une action, les gars. Nasser. Jules Koundé. Jules Koundé. Et j'ai reçu. Wesley gagne au moins le deuxième quiz. il <laughs> euh, y a des menaces. Wesley. Euh... Il a dit Jules Koundé quand même. Jules Koundé. Euh... Kessier. Kessier, il y est. Qu est que Je l'aime ce joueur. Oh là là. Moi je me fais engueuler par ma femme moi. <laughs> parce que je défends pas, j'ai pas défendu le Maroc. Tu il y en bon, a qui bon, vont. Les, les retours vont être difficiles. <laughs> ouais, je vais attendre qu'il dorme. Hein. <laughs> Paul Pogba. Yes, la pioche. Piochi, il y est. Bien joué. Il en reste encore des faciles. Hernandez, le frère. Non, non, il a dit là-dessus. Il a dit là-dessus On l'a dit, il a resti Le message, Il l'a le il a raté. Il a raté pour le coup. Il aussi reprend plus. Encore une fois, est-ce que tu vas faire un... Un hat trick. Grand chelem. Nasser Là, t'as un boulevard, t'es devant les cages, dans l'axe. il a pas de gardien. Et coucou Et coucou, Christopher <laughs> Là, c'est un bravo. Titulaire, coucou ouais, ouais, titulaire. Ouais. titulaire. C'est bien. Après, on... apparemment. Un peu Mais bon, c'est hein, ouais, en fait, avec... ouais, peux... On va terminer par un dernier jeu en une manche qui est le Axel Tony. Axel Tony, c'est facile, Price. C'est un baccalauréat, tout simple. Je donnais une lettre de l'alphabet. On me donnait des joueurs qui ont le nom de famille qui commencent par cette lettre de l'alphabet. Donc, franchement, c'est pas compliqué. On va commencer par Wesley. On va dire la lettre B. La, menace. <laughs> la lettre B. Je dois gérer un joueur euh, Oui. On fait comme ça Oui. Boateng. Price. Des joueurs actifs Tout Non, non, confondus. Bernardi. Oui. Bonucci. Blanc, Laurent Blanc. On continue sur le B Oui. Ouais. C'est que du B pour l'instant. Des faciles, des faciles, Price. En B. L'attaquant du Real Madrid. Putain, Benzema. La ah, vache. Nasser. Baptiste Touta. Wesley. Euh... Ballardi. <laughs> Price. Boitou, ils sont deux, non Ouais, ouais. Hey, c'est bon. Si, yeah. ouais. hey, vas allez, allez. Attends, il y a raison, il y raison. raison, Allez, oh, t'as triplé! T'as triplé comme des C'est <laughs> fun! Je vais galérer, moi, t'as vu? Nice! L'hospitalité, elle est où? Elle est plus là, quoi Nice! <laughs> un... ah. Quelqu'un qui commence comme Benzema, mais qui joue à Lille. Ben Arfa. Je vais te dire un nom de ouf! Bonne noter Diego! Oh, pas mal! <laughs> Euh. Ouais, J'abuse, là. Ah, ben, il y en a plein, les gars. J'ai pas pris une note compliquée. Tic-tac. Comme le direct sur un Tic-tac, 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 tic-tac. Ah, Flo, il est vif. Gagne le troisième quiz aussi, s'il te plaît, Wesley. Le troisième quiz. Wesley, là, ça sent l'élimination. Il Il commence à se gratter la tête. Aïe aïe aïe! Tu sais qu'il est plombé! Il texto! Y'a pas, <laughs> pas de... y a pas de. <rire> 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 <tousse> juste après! Juste, ap juste <laughs> après, après le. gong On t'a frappé! Là, c'est une finale, Price Bryce contre. Ah, en plus, il vient de m'envoyer un message. Voilà! <laughs> un contre Nasser! Price, à toi! Oh, mais c'est le. Voilà! Il c'est normal! Nasser, ça revient vite là! Ça revient vite. Est-ce qu'on fait l'hospitalité ou est-ce qu'on fait. Ah Gassard, c'est à toi de voir. Non, moi je vais laisser gagner mon. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Joue, joue. On est joueur. On est dans la compétition. Compétition toujours. Je ne sais pas si ça a été dit. Ah, à toi de dire. Ouais, t'inquiète. J'ai trouvé un autre qui n'a pas été dit. Ryan Babel. Oui. Ah, chaud. Beckenbauer. Craig Bellamy. Ça vient vite. Ça vient vite. Là, un tournant, ouais. là! Là, ça brûle les pieds! Beigné d'air! Barrezzi! <laughs> <laughs> ça vient <m 'a> de <laughs> <laughs> Il me démeure la pression. C'est dur, frère! C'est sûr. Un Italien, numéro 10, ballon d'or. Hé! Hey Attends, je t'attends le décompte, je cherche un deuxième. <rire> <rire> <Attends>. <rire> ouais, bah, si Maintenant, j'ai des blazes. Il a dit blazes, tu vois? Ouais. Hum. <laughs> Je sais pas s'il si a été dit, c'est lui depuis Terre, j'hésite, Barzali. Non, il n'a pas été dit. <laughs> Putain, foiré. <rire> <rire> Rice, la pression. La pression monte. Est-ce que. non, pas, mais. Je le en fin du chrono. Un, un italien scandaleux. Renoir. Oh là là, très bien. Oh <laughs> Putain, merde, j'ai plus son blaze.

Putain, <laughs> ah là la offre, la la la. La. Non, on applaudit Nasser Allez. quand même, on applaudit non, on franch... Nasser. Eh, franchement, franchement. Attrick <laughs> André, André Agassi, frère. T'as fait grand chose. At Attrick, franchement, Attrick de Nasser. Ah, Prévois-moi ouais. qu'il faut réviser avant <laughs> temps, <là. rire> En tout cas, les gars, je vous remercie vraiment sincèrement. Émission incroyable ce soir. Nasser, comment t'as senti Comment tu t'es senti en émission, Est-ce que t'as kiffé Ouais, de ouf, de ouf. Franchement, c'était magnifique. En plus, on avait un super invité. C'était terrible. C'était l'émission sucrée pour ton petit cœur ou pas ça a... Ouais, on a, on a dansé, <laughs> tout ça. C'était terrible. Non, franchement, sincèrement, plus on fait des émissions ici et plus il y a de la qualité. À chaque fois, il y a des invités qui ramènent encore plus de, 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 de valeur ajoutée. On espère qu'ils reviennent. Vraiment, s'ils ont envie de venir, en tout cas, c'est avec plaisir. Mais ça, je te laisse aussi faire l'invitation. Mais euh, j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment kiffé aussi ta prestation, la prestation de Wesley, merci à Olivier, merci à Flo à qui on le dit pas assez, et, merci à, et, et aussi un gros big up à Amida, merci beaucoup. Bien sûr, Amida, qu'on qu salue bien fort, le numéro 10 de la famille football. Je vais club. quand même attendre mardi pour saluer Amida. <laughs> non, Wesley. Non, non, euh, magnifique. Franchement, il n'y a pas mieux pour démarrer la semaine. Voilà, et, et franchement, gros big up au chat, à tous les gens qui nous suivent, parce que de plus en plus, tu vois... Petit à petit, ouais, moi je regarde la famille, moi Exactement. aussi. Donc un gros big up à tous ceux qui suivent l'émission. Big up à toi Amine Merci pour la frérot. présentation. Les frérots derrière, Nas et puis le frère qui a invité. Et tu sais, c'est tout bête, mais tu vois, le petit message de sa fille tout à l'heure, ça fait kiffer. C'est des moments, euh, tu vois, on peut magnifique. vivre des choses intéressantes. Donc euh, voilà, une bonne semaine à toutes et à tous. Ah là là, Wesley, je te souhaite pas un bon mardi mais... Senti mais très à l'aise, très à l'aise et un grand merci bah, pour l'invitation. Avec grand plaisir, euh, merci à toi. Non mais franchement un grand merci, ça m'a fait plaisir euh, bah, de vous rencontrer aussi, hein, parce qu'on ne se connaît pas personnellement, mais on a les mêmes attaches finalement. Hein, le Exactement. football c'est international. Et euh, bah, pour démarrer la semaine, c'est l'idéal. Et puis bah, par rapport au sujet qui était évoqué, c'était top. Maintenant, bah, place au football pour demain. <laughs> et puis, euh, comme tu dirais si bien, bah, attention, c'est que du football. Donc, euh, Exactement. Football Exactement. et amour, hein? En tout cas, moi, je voudrais vraiment remercier spécialement Price qui est venu, qui nous a accordé de son temps, son expertise. C'est ça la famille du Football Club. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a un, un, grand, un grand cœur. On a vu sa fille d'ailleurs qui, voilà, qui, qui a pu en témoigner. Je remercie Wesley d'avoir amené Price aussi. La connexion est faite. Je remercie Nasser, euh, parce que je sais que ce soir, on est dans l'amour, Nasser, donc euh, je te remercie <laughs> aussi. Mais blague à part, tu es, voilà, es devenu un pilier de la famille du Football Club. Je remercie le chat. Je remercie Flo, Olivier, Amida, évidemment, tous ceux qui nous suivent, le code 45, toute la famille. Je vous embrasse tous et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao. ciao merci.